Bonsoir à tous les petites bulles bien le bonsoir Mogioda coucou Patatouf coucou Arnaud coucou Super Michto. j'ai le son du live je ne l'ai plus, ça va beaucoup mieux. Coucou Iraliel, coucou Ilvedia, coucou Carpet, coucou euh, Linkia, coucou Sidérose, coucou Mathieu, coucou Alice, coucou Mimou, coucou floquiche coucou Yotien, coucou Monkey Fred et un putain de bon anniversaire à toi, mon cher. Euh, coucou Maxou, coucou euh, Linem, bien le bonsoir Michael, coucou Fultokam, coucou Shikaruko, bien le bonsoir Mélanie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission Culture Bull, l'épisode 15, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, on parle Noël, on parle wish de Noël. On va pouvoir discuter de tout ce que vous avez eu un petit peu comme coup de cœur et tout ce que vous allez pouvoir mettre sous le sapin pour vous. Et pour vos proches, parce que oui, vous dites pas que juste on vous donne des billes pour pouvoir gâter vos proches, dites-vous aussi qu'on vous donne de quoi étoffer votre liste au Papa Noël vous-même. Bien le bonsoir, Floquiche. Dans quelques secondes, c'est Guimauz qui va nous rejoindre pour parler littérature et j'ai terriblement hâte. Oui, l'inquiète a sorti la veste parce qu'il fait moins 8000. Ça y est, c'est l'hiver. Qui dit hiver dit veste qui dit veste dit moins 15. Et ça veut dire Noël. Donc, du coup, on est parfaitement dans le thème. Rip ma wishlist ce soir, Mimo. Oui, ce soir, le but, c'est que on fasse gonfler ta wishlist comme jamais. Coucou, Théris. Bienvenue à toi. Donc, je vous disais, dans quelques secondes, on va accueillir Guimauz. Mais avant toute chose, on va dire bonjour à Space Care, et aka Dugito, qui est à la régie ce soir. En direct, en plus, n'est-ce pas absolument incroyable Vous pouvez voir que c'est un homme de goût, puisqu'il touille son café avec une baguette à sushi. Voilà. Donc, ouais. Toujours, <coughs> disais Bonjour. Voilà. Donc, cet énergumène-là s'occupera de l'intégralité de la régie ce soir. Et maintenant, vous savez pourquoi il lance les génériques en retard C'est parce qu'il allait demain sur son café. Ah oh, bah alors Ça a pas, pas lancé le générique C'est pas fair-play Bonsoir Florence, euh, coucou Joe, euh, coucou Kitsu. Claquement de doigts et générique, et on accueille Guimos tout de suite. Bien joué. Gimauze. et bonsoir <laughs> j'ai pas de baguette moi ouais oh, oui, moi ça va tu as une tasse <laughs> incroyablement longue tout à fait et de noël mais... non mais j'aime parce que du coup on est tous les deux sur des mugs de... de taille tout à fait raisonnable et de noël ah, oh ah ça Je fait plaisir <laughs> voilà. la régie vous pouvez <laughs> vous rhabiller avec votre petite tasse de petits joueurs là. ouais ah, oui, tout à fait <laughs> Comment est-ce que ça va hein ben, Ça va comme une Covidée, mais ça va. Et toi Oui, parce que si vous ne le savez pas dans mais... le chat, Guimauve sort juste du Covid. Genre euh, littéralement, là, tout de suite, on est sur une fin de Covid. Donc du coup, c'est quand même un miracle qu'elle soit là. Donc j'espère que vous serez incroyablement enthousiastes et pleines d'amour dans le chat. Parce que le geste est beau, de ne pas avoir annulé. C'est un quand miracle réveiller. de Noël Wow, « Waouh, bien joué. Wow. Putain, les non, mais vraiment... sont tendus. Je n'ai rien à faire. Écoute, vas-y, <laughs> je te laisse faire. ce que tu as à faire. Je vois que j'ai à faire. Non, non, coupé. mais c'était, c'est tout. Moi, j'aime bien juste l'humour qui crée du malaise. Après, c'est, tout. Je, je, laisse la main. <laughs> Moi, j'aime faire des blagues qui font des gros flancs Et après, vous laissez vous débrouiller. Ouais. C'est parfait. C'est totalement On va ça. très bien <laughs> s'entendre. mais Il va y avoir beaucoup, beaucoup de gros flancs. » Après, c'est bon le flan, hein si c'est bien, hein si bien fait. Je vais beaucoup aimer cette émission. <cười> <cười> coucou Sparkly, coucou euh, Valériane, coucou <laughs> Edward the Alchimiste, bienvenue à toi. Vous avez des pseudos. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent venir de chez toi, comme Florence o Well ou comme Joe Twitch TV ou Kitsu. Kitsui... Je suis dyslexique mmh. comme jamais et ta commu fait très mal à ma dyslexie. Oui, oui, non, mais à moi aussi. Je suis pas dyslexique, mais euh, des fois je me pose des questions avec leur pseudo. C'est pas évident tous les jours. Ah non, mais euh, merci à vous. Au moins vous me faites progresser, hein. Et ma belle Chaos, bienvenue à toi aussi, Guimose. Avant qu'on commence cette émission, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas Si jamais on te croise oui. dans la rue, tu à une soirée, tu connais personne, et on dit Salut, tu fais quoi de beau dans la vie Comment est-ce que tu Déjà, je suis gênée en général sur ce genre de questions. J'essaye d'esquiver poliment. <laughs> non, alors, euh, ah, je la à pas, il faut vraiment que j'arrête. <laughs> C'est ça Ah, les cocktails m'appellent. Euh, alors, sinon, <laughs> euh, je suis créatrice de contenu sur, euh, sur Internet, illustratrice aussi en partie. Euh, à la toute base, je viens du, euh, du YouTube littéral. YouTube littéraire qu'on appelle BookTube. Et euh, c'est vrai que euh, assez vite tu suis quand même arrivé sur, euh, sur twitch il y a quelques années parce que euh, de manière générale, j'avais quand même pas mal d'autres passions. À toute base, c'était pour partager tout ce qui était gaming, euh, mais j'aime beaucoup aussi la musique et euh, je me suis mise au piano, donc je m'accompagne au chant, donc je fais pas mal de choses assez artistiques au final euh, dans toutes mes activités euh, sur euh, sur le net. Mais je continue toujours euh, à avoir euh, un pied, on va dire, dans le domaine littéraire puisque ça fait plus de trois ans que j'ai un club de lecture euh, que j'anime tous les mois sur euh, sur Twitch et euh, le Discord qui est lié. Et euh, à côté de ça, je suis aussi la créatrice du Pumpkin Autumn Challenge, euh, qui vient de se terminer évidemment le 4 décembre, <laughs> mais euh, qui est euh, un petit événement dans la communauté littéraire qui, euh, qui permet aux gens finalement de se stimuler et euh, de faire des découvertes culturelles. Et puis voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est euh, ce challenge Le Pumpkin Autumn Challenge Alors, prochain, en fait... tout à fait. Oui, Ou bien sûr. Euh, exactement. Alors, euh, j'essaye de faire en sorte de dépeindre plusieurs, on va dire, Tableau euh, qui pour moi représente l'automne, et à l'intérieur de ces tableaux, donc par exemple, il va y en avoir un qui, euh, qui est très sombre, euh, qui va être plutôt dirigé vers tout ce qui est euh, euh, horreur, épouvante, policier, euh, créature de la nuit, enfin, tu vois un petit peu l'idée, mm -hmm. ça c'est un tableau en l'occurrence, et parmi ce grand tableau, j'essaye de faire des sortes d'intitulés de, euh, qui s'articulent autour de mots-clés. Et avec ces mots-clés-là, les personnes vont regarder un petit peu dans leur bibliothèque ou à la librairie ou en médiathèque, peu importe. Euh, ils vont essayer de trouver des bouquins qui peuvent coller aux mots-clés. Et leur challenge, à eux, c'est complètement personnel. Hein, personne n'est en compétition avec qui que ce soit. Euh, c'est tout simplement d'essayer de lire les bouquins qu'ils, auront, ils, elles auront euh, sélectionné euh, durant la saison. Et, euh, et moi, je trouve ça plutôt chouette parce que du coup, c'est très libre. On peut euh, à la fois lire euh, tout ce qui est euh, bande dessinée, manga, roman. Enfin, tout est extrêmement flexible. Et, euh, et c'est très stimulant parce que euh, les gens sont euh, hyper motivés et enthousiastes tous les ans. Et ça donne toujours plein, plein, plein d'idées de lecture. Et euh, puis voilà. Du coup, le chocolat chaud cannelle ah, challenge très... commence là maintenant pour Noël. Euh... Il y, a, il y a aussi un challenge d'hiver, effectivement. Mais euh, du coup, moi, je m'en occupe pas. Ok. Voilà. Donc, du coup, la littérature a toujours eu une très grosse place au milieu de ta création de contenu, au milieu de la musique, au milieu de tout ça. Mais la littérature reste quand même un des pivots centrales avec l'illustration. Oui, 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 clairement. clairement. Et c'est vrai que, de ben, toute façon, pour le coup, en tout cas, pour le moment, euh, tout ce qui est illustration euh, pour ma part que je propose sur ma boutique, c'est en général, pour le moment, en fonction du Pumpkin Autumn Change, parce que chaque année, j'essaye à chaque fois d'amener des tableaux toujours différents pour tout simplement stimuler les gens, leur donner envie euh, de participer et leur donner une sorte d'univers pour qu'ils se l'approprient aussi, aussi par la suite. Et, euh, et euh, c'est vrai que là, par exemple, cette année, j'avais c'est un univers autour de Over the Garden Wall. La forêt de l'étrange, mmh. je ne sais pas si tu connais. Ah ouais, voilà, ouais. et euh, également euh, l'étrange vie de Nobody Owens, qui est un roman pour je le coup. Pas du... euh, ok. Et ben, euh, en tout cas, voilà, c'était un petit peu ça. C'est très lié à l'enfance, aux fantômes, aux créatures euh, du cimetière, okay. parce qu'en l'occurrence, l'étrange vie de Nobody Owens se déroule dans un cimetière. C'est un jeune enfant qui a été abandonné et il est éduqué par des fantômes et toutes les créatures qui vivent dans le cimetière. Et en fait, on voit un petit peu euh, son son ascension, comment il grandit, comment il se construit, et, euh, comment il va réussir peut-être à quitter ce cimetière pour euh, vivre sa vie. Voilà. Voilà. Donc, Donc euh... vous l'aurez compris, on aurait pu difficilement mieux choisir quelqu'un pour remplir votre wish list de Noël, parce que ça fait deux minutes que j'ai <laughs> déjà deux livres que j'ai envie d'acheter. <coughs> Donc, j'espère que vous avez beaucoup d'amis, une famille très étendue, ou alors que vous avez été très sage et que le père noël pourra vous gâter fort fort. Sinon, appelez votre banquier dès maintenant, Noël va vous faire mal. Voilà. Avant de rentrer dans un petit peu plus ton parcours et de se. Je t'ai coupé comme une personne incroyablement grossière. Excuse-moi, tu m'avais dit. Mais pas du tout, mais. C'est pour faire une vanne. Donc, euh, continue, excuse-moi. Ah, alors, je suis désolé. Alors, tu sais, ce qu'on va faire, c'est que mmh. je vais m'arrêter et on va écouter ta vanne à, à rebours. Tu vois, genre, maintenant, elle va tomber encore plus. C'est plus plein. laquelle c'était. Oh, ah putain. C'était esquive. Faut vraiment pas. Non, mais écoute, euh, non. Non, tu, quand tu sens que je ne dis plus rien et que je prends gentiment une gorgée de thé, c'est qu'il fallait euh, vraiment que je me taise. <laughs> mmh. Vite, on essaye ça uh, Voilà. Au moins, ça m'évite la vanne. Très bien. Sous vos yeux ébahis, à la guimauzerie, nous dit-on dans le chat. Voilà. Cette émission commence toujours par deux trois news. Un, pour l'instant, moi, ça va très bien. Mon téléphone n'arrête pas de sonner avec les gens du puits qui disent « Qu'est-ce que vous foutez, les gars ?» Mais attends, ne bouge pas. Hop, silencieux. Ça, c'est fait. On est bon. On commence toujours cette émission par euh, deux, trois petites news, deux, trois trucs que j'ai pu voir sur les réseaux qui soit m'ont plus, soit euh, m'ont énervé, soit euh, m'ont stimulé. Et là, ça n'a rien à voir avec la littérature, mais je trouve que ça fait très fortement appel à l'imaginaire, surtout pour moi qui suis un gros fan de, de SF. Et euh, la première news que je voulais vous montrer, c'était une petite vidéo, si la régie peut nous envoyer la vidéo, et je sais qu'elle le peut parce qu'elle est incroyablement douée, mais on va parler de Mars qui a été caché pendant la Lune pendant un long moment, puisque la Lune et Mars étaient parfaitement alignés, donc du coup on ne voyait plus du tout Mars, ce qui arrive extrêmement rarement, puisque la dernière fois où c'est arrivé, c'était au début des années 70. La prochaine fois que ça, arri que ça arrivera à nouveau, c'est dans les années 50, donc du coup, il bah, va falloir être terriblement patient. Et les images sont particulièrement jolies, puisqu'on peut voir, grâce au euh, James McCarthy, qui a réussi à filmer l'arrivée de Mars qui sort de derrière la Lune. Et je trouve ça particulièrement chouette. On a aussi des belles photos donc, euh, qui ont été prises. Donc Andrew James McCarthy, exactement, qui a réussi à capturer le moment où Mars ressort de derrière la Lune. Et vous avez aussi une photo plus nette, puisque vous doutez qu'à cette distance, c'est compliqué de faire quelque chose qui ne bouge pas. Mais voilà, vous avez. Mars qui remonte le bout de sonnet derrière la Lune et je trouvais ça terriblement joli. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est une aurore boréale. Et alors, euh, pour toi qui es dans le thème un petit peu automne, hiver, cosy et ton univers a l'air euh, un petit peu dans le tout doux, je ne sais pas pour toi, mais moi, les aurores boréales, c'est un truc qui m'a toujours fait rêver. C'est sublime. Et c'est quelque chose ah, que je rêve y de y voir depuis y tout y petit. C'est ça, c'est vraiment irréel. Et là, on n'est pas sur des aurores boréales classiques, puisque l'aurore boréale classique, c'est plus ce que vous voyez sur la partie basse ou à droite, c'est-à-dire en vert. Et là, on a eu des aurores boréales roses, ce qui arrive extrêmement rarement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que ce sont des tempêtes solaires tellement puissantes qu'en fait, en gros, elles déchirent un petit peu le, le champ électromagnétique autour de la Terre. Et donc, du coup, toutes les particules expulsées par ces euh, tempêtes solaires s'enfoncent plus profondément. Dans l'atmosphère et brûle plus bas, c'est-à-dire qu'au lieu de brûler de l'oxygène et donc du coup d'avoir ce vert que vous avez, c'est de l'azote qui est brûlé et donc du coup ça donne ce rose. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et les aurores boréales restent sans aucun doute l'un des objectifs finaux de ma vie, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que... Ouais, c'était ça ma question. Genre, est-ce que les aurores boréales, elles, elles te étaient... Cailler les miches dans la neige pendant 4 heures pour espérer voir ça, c'est le genre de truc qui pourrait te faire rêver. Ah oui, totalement. magique, en fait. C'est l'une des, des, des choses que la neige. C'est incroyable, en fait. Ça parfois l'imagination sur en fait. C est, c est alors, ma chère Régie, est-ce qu'on arrive à récupérer Guimauz ou alors c'est que chez moi que ça cut de ouf Ah Oups. Alors, des Parce que moi, je l'ai en stop motion. Et... Oh, ah, c'est la régie qui. Oh, la régie a pas payé la fibre <laughs> C'est moi, vous pensez Ah non, c'est bon, on t'a récupéré, okay. on est tout bon. Je crois que c'est bon, j'ai réglé le truc. C'est-à-dire okay. que là, euh, Kairou vient de mettre deux gros coups de clé à molette dans le PC il a tourné deux manivelles. <laughs> et bloup, à l'ancienne, une baffe dans la gueule du modèle, voilà. ça marche. Remis un peu d'eau dans, dans le générateur et c'est tout bon, quoi. Et donc, excuse-moi, on n'a pas du tout entendu ta réponse sur les aurores boréales, du coup. Euh, alors, ça va manquer de, de, de spontanéité, donc je suis pas sûr de pouvoir vous la refaire. Euh, mais je disais simplement que c'était l'une des choses que la nature nous offrait et que euh, ça pouvait même dépasser l'imagination. En fait, c'est. Euh... Oui, je suis assez d'accord Ça fait partie de ces trucs où, comme quand tu vois des photos, tu dis oh, C'est une vue de l'esprit d'un artiste, d'une planète lointaine et tout. Non, non, c'est euh, ce petit coin perdu euh, sur la planète Terre. C'est juste que, bah, oui, il y a des endroits qui font absolument rêver parce que tu as l'impression que ça vient de mondes complètement différents, quoi. C'est ça. J'en ai vu avec des températures à moins 50 et les aurores boréales sont absolument incroyables, mais les couleurs ne sont pas du tout aussi pétantes. Oui, complètement, Edward. Après, ne pas oublier aussi que à chaque fois, ces photos. Ce sont des photos qui sont bien évidemment retravaillées, pas pour que vous ayez des couleurs complètement différentes, mais pour que tout ce que l'on voit soit plus visible. D'ailleurs, vous pouvez le voir au fond, il fait quasiment jour, parce que bah, les images sont retravaillées ou parce que les expositions ont été laissées extrêmement longtemps. Et The Notorious Lolo, merci beaucoup pour ton follow. Mais euh, donc, oui, ne vous attendez pas forcément à voir ça si jamais vous allez vous perdre en Norvège. Mais je pense que quoi qu'il arrive, même si jamais vous ne le voyez qu'avec vos yeux, la vue reste quand même à couper le souffle. Passons des aurores boréales et on revient sur Kimos. Tu dis que tu es dans le book game, dans le YouTube, dans le booktube game depuis quelques années. Comment commence ta carrière de lectrice Est-ce que tu as toujours oh été une grosse liseuse, Dehors, depuis toute jeune tu lis énormément Est-ce que ça t'est venu tard Comment est-ce que tu tombes dans la lecture Alors, en fait, quand j'étais assez jeune, je lisais beaucoup, j'en ai pas grand souvenir, mais euh, ma maman me disait que je lisais vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Euh, puis arrivé le la période du collège et à partir de là, la lecture et moi, c'est devenu extrêmement compliqué. Euh, donc beaucoup, euh, ouais, ouais, je suis pas l'élève modèle pour le coup de ce côté-là parce que euh, je, je, je lisais pas ce qu'on me proposait. <laughs> je trouvais toujours une une entourloupe quelque chose pour euh, ne pas lire les romans qui étaient euh, qui étaient prévus, sauf les que enfin les euh, pièces de théâtre ça ça me plaisait relativement bien ça ça passait euh, et puis euh, c'était toujours pas euh, ma tasse de thé c'était très compliqué euh, vraiment en plus euh, c'est pareil après je, je, je suis allé en S donc je me suis dit pourquoi lire des bouquins alors que j'en ai pas besoin ce qui est complètement idiot comme raisonnement hein. notez le hein, mais c'est pas très grave hein. voilà c'était mon raisonnement mais euh, mais oui, finalement, la lecture s'est revenue assez tardivement parce qu'ensuite, j'ai fait euh, des... Euh, je suis allée à la fac, je suis allée en A. Et euh, c'est vrai que pour... Donc, bac S pour études, aller en fac. Pour apprendre. Ouais, non, mais vraiment, j'ai un parcours, c'est ridicule. Mais euh, voilà, <laughs> ce sont mes choix. Ah non, mais j'ai fait s aussi. Et on est là <laughs> en train de parler de littérature, hein, donc euh, tout va bien, tu vois. Ah bah, bah comme voilà. quoi. Voilà, tranquille. <laughs> Moi, je suis sortie de médecine pour pouvoir parler avec toi de littérature, là. Donc, euh, tu vois... Euh... Oh, Tous les ah chemins, ouais. même tout bouquin. Okay. Quoi. Ah oui, effectivement. Est-ce que je, je... Est le bug toujours Dites-moi, parce que j'ai l'impression qu'il y a des soucis, non Ou c'est OK Ouais, t'as des cuts, on a des cuts d'image, mais on t'entend nickel. OK, c'est l'essentiel. Disons qu'on a le plus marche. important, quoi. on te comprend. Exactement. Et bonsoir, Edouard. Mais, euh... mais oui, du coup, euh, je forcément, là, à la fac. Je sais il est en sueur, en train d'essayer de réparer tout comme ça, il court partout. Alors, du coup, j'évite de le souligner Exactement. Parce que... Voilà, c'est ça, parce que je sais que là, <laughs> il est en sueur et en PLS. Ah, et donc, je me dis, genre, on va faire comme si tout était normal parce qu'il doit se dire genre peut-être qu'ils ne l'ont pas remarqué <laughs> voilà. tout à fait euh, s'il y a le moindre souci que je peux régler de mon côté faut pas hésiter à me dire. Okay. Ah, le dire c'était le mot de la fin on est sur un drame absolu voilà. et, et là on vient de perdre Guimauve complètement Sur cette phrase, sur cette phrase pleine de douceur et d'empathie en mode s'il y a vraiment quelque chose que je peux faire dites le moi et là la prise fut débranchée voilà. Donc, jeunes gens, pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer un peu pendant la soirée, en attendant que le Cairo arrive à nous récupérer Guimauve, on va continuer à parler un petit peu du, euh, du parcours de Guimauve. Et ensuite, ah, incroyable Et ensuite, on parlera de bouquins purs et durs. Rendez-nous Guimauve Elle est de retour. Et elle a l'air incroyable. Au incroyablement moment où j'ai dit si je peux plus. faire n'importe quoi pour aider, je suis partie. Ah non, mais c'était parfait. Ok. Meilleur synchro ever. Et donc du voilà. coup tu dis euh, mais je continue deux, car je savais où j'en oui. étais. Euh, tu étais en fac d'art et tu retombes à moi en fac d'art. Et du coup là pour les études euh, j'étais obligé de lire et c'était quand même relativement passionnant donc c'était vraiment pas un problème donc j'ai recommencé à beaucoup lire pour les études. et C'était quoi comme type de lecture euh, à ce moment-là? Euh, après, c'était assez vaste hein, parce qu'on faisait autant de la philosophie de l'art que de l'histoire de l'art, que enfin euh, bref, ça partait vraiment dans plein, plein, plein de domaines différents. Euh, parfois, c'était juste euh, des lectures globales, parfois c'était sur certains artistes. Enfin, ça dépendait un petit peu de tout quoi. Et même après, quand je suis allée en M1 recherche ben quand tu fais de la recherche tu ben, t'as pas le choix tu es obligé de lire donc euh, oui. au bout d'un moment voilà ça re rentre un petit peu dans tes dans tes habitudes et euh, c'est à partir justement du M1 M2 que j'ai commencé à refaire des lectures plaisir donc c'est arrivé quand même tardivement tard, c'est ouais. vraiment arrivé tardivement ouais et euh, et c'est vrai que euh, même à cette période-là euh, j'avais repris aussi avec pas mal d'illustrés et euh, au moment où moi je suis arrivée sur BookTube c'était pas forcément ce qui se faisait le plus on parlait beaucoup de romans euh, mais moi ça a toujours été hyper important pour moi tout ce qui était euh, enfin, illustré parce que pour moi c'est un art à part entière et euh, on peut dire tellement de choses hyper importantes aussi via le mmh. via le dessin c'est un art hyper complexe euh, qui en plus quand c'est articulé avec euh, un propos de fond hyper puissant ben ça ça fait des merveilles je, je, vraiment j'adore donc euh, donc oui, euh, je voilà, ça, ça s'est revenu tout doucement, mais euh, comme quoi, on peut euh, parler aujourd'hui de bouquins et pas forcément avoir un parcours exemplaire euh, du côté de la, de la lecture, quoi. Voilà. Bah, en soi, je trouve que c'est une histoire qui est vachement plus intéressante que quelqu'un qui, non pas que les gens qui aient toujours lu soient des gens absolument chiants, mais c'est juste que ça prouve que, un, il est jamais trop tard pour se mettre à aimer lire et qu'on peut commencer à n'importe quel âge et que, bah, deux, c'est pas parce qu'à l'école vous faites S et que la lecture ça vous intéresse pas et que ce que vous propose vos profs ça vous fait chier, que c'est un monde qui vous est complètement interdit et qui, enfin, euh, avec des portes qui vous, sont, qui vous sont fermées parce que vous prenez moi, qui suis un gros dyslexique et qui ai eu beaucoup de mal à me mettre à lire et qui donc prenait beaucoup de temps pour lire, bah aujourd'hui, euh, je suis là. Et vous prenez Guimau juste en dessous. Euh, pareil, pas de lecture du tout pendant collège, lycée. Et au final, tu relis en master, donc extrêmement loin. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, là, tout de suite, est au collège ou au lycée et genre, pff, oh, la lecture, euh, non euh, Alors. Maintenant, je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe non plus tout le temps dans les écoles, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de, de profs qui essayent de donner envie de lire à leurs élèves et qui, du coup, ont quand même essayé de dépoussiérer un petit peu euh, toutes les lectures qu'ils qu donnent euh, à leurs élèves. Euh, mais déjà, de juste pas se complexer parce que je pense qu'il y a ça aussi qui peut très vite émerger parce qu'on a l'impression qu'étant donné qu'on n'aime pas les lectures forcément qui sont imposées, ça veut dire qu'on est incapable de lire, qu'on n'arrive pas à se concentrer, mmh. que euh, on n'y arrivera jamais alors que qu la concentration c'est quand même ouais voilà, qu'on comprend rien alors que c'est quand même plus subtil que ça, parfois il faut juste le titre qui va nous captiver mmh. et même à l'âge adulte, c'est toujours pareil, il y a tellement mais tellement de bouquins qui existent, on peut pas ne pas trouver un seul bouquin qui va nous parler, qui va nous faire du bien euh, avec lequel on va se sentir à l'aise il y a tellement euh, de, de, de plumes différentes qui existent, tellement de, de styles enfin, voilà, déjà ne pas se décourager ne pas sécurer non plus ne pas se forcer et surtout juste essayer du mieux qu'on peut de rester curieux, curieuse je crois que c'est vraiment la seule chose qu'il faut toujours essayer de garder tout au long de sa vie, c'est la curiosité, et si on a au moins ça, je pense que euh, beaucoup de portes nous restent, euh, nous restent ouvertes, et euh, surtout pas hésiter à aller voir du côté des illustrés, c'est pas pour... Voilà, euh... Moi j'aime vraiment beaucoup ça, donc euh, j'estime qu'il faut laisser sa chance à ça, et ne pas forcément écouter les personnes, peut-être même les adultes qui vous diront « Oui, bon, si tu lis un manga ou une bande dessinée, c'est pas vraiment de la lecture. » Je sais pas aujourd'hui quel est le discours actuel autour de tout ça, mais euh, s'il vous plaît, ne vous laissez pas euh, non plus euh, complètement euh, euh, ouais euh, trituré par, euh, par ces par mm -hmm. ces grandes phrases parce qu'en réalité euh, ça reste de la lecture ça reste une, une histoire qu'on vous raconte n'oubliez pas que la lecture peu importe le format c'est pour le plaisir à la base et euh, et puis voilà, soyez juste curieux, testez des choses. Si vous aimez pas, vous posez, vous, vous essayez autre chose. Les médiathèques, les bibliothèques, c'est là pour ça. C'est hyper utile. Euh, donc voilà, et surtout, pas de complexe. Euh, pareil, tu disais que tu mettais pas mal de temps, tu vois, pour lire. Euh, moi, je fais partie des gens aussi qui mettent du temps. Et je pense que c'est aussi important de rappeler que c'est pas un marathon, qu qu enfin, que c'est pas une compétition surtout euh, avec qui voilà, que soit. 10 livres euh, par semaine et 50 pages à la minute. C'est ça, on s'en fiche. <laughs> On s'en fiche parce que finalement... Ah mais est-ce euh, que t'as aimé Exactement, ah mais on, va, on est fait pour s'entendre. <laughs> c'est exactement ça, c'est que euh, vaut mieux bah, mettre, je sais pas, des mois, des années à lire un bouquin parce que parfois il y en a ils sont vraiment très denses, euh, mais avoir vraiment... Apprécier la plume, les, les phrases, avoir compris ce qu'on a lu, avoir été immergé dans un univers, s'être attaché au personnage, que de plutôt avoir euh, voulu lire hyper vite juste pour rentrer euh, dans, dans des cases et se dire Ok, euh, je sais faire ça, it's ok, mais eh oui, mais bon, le plaisir, encore une fois, euh, la compréhension, tout ça, c'est hyper important. Donc, euh, juste aussi, ne vous complexez pas sur la vitesse de lecture parce que ben, moi-même, je ne lis pas très, très vite euh, et je le vis bien. <laughs> c'est ok. Donc, euh, je sais pas si j'ai un peu dérivé. C'était quoi la question ouais, ou la Mais en soi, c'est. Enfin, déjà à deux, ans, tu dis euh, reste curieux. Tu ne pouvais pas faire mieux. Parce genre littéralement derrière, là, bon, vous allez pas le voir, mais je m'en fous. J'ai un post-it avec marqué Reste curieux dessus qui m'avait été signé par Axelot quand j'avais 16 ans. Oh. Et je me suis dit, OK, c'est resté dans mon portefeuille toute ma vie en me disant, ouais, bah, je vais juste suivre ça, ce sera mon mojo. Donc, ouais, Rester curieux, meilleur euh, conseil ever. Et quand tu dis chacun son rythme, chacun sa façon de faire, c'est qu'il n'y a pas de concours. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait de as lu 10 livres. T'en as lu qu'un seul, c'est pas grave. La seule chose qui compte, c'est est-ce que t'as aimé le lire C'est-à-dire que tu es tout autant légitime à parler du livre que tu as aimé si tu n'as lu que lui que la personne qui a lu le même livre que toi et un million d'autres. Et d'ailleurs, si la personne en face de toi et qui tu parles, qui en a lu un million d'autres, est pas trop con, la réponse et la discussion qu'elle devrait avoir avec toi, c'est Ah oh putain, trop bien, t'as aimé lui. Dans le million d'autres que j'ai lu, il y a peut-être lui ou lui qui ressemble à ce que tu as aimé et tu voudrais aller faire un tour par là-bas et tu verras tous les gens qui vous complexent et qui vous ferment des portes en vous disant genre t'en as lu qu'un, c'est des trous de balle élitistes et ils n'en valent pas la peine et je suis même pas sûr qu'ils prennent vraiment le plaisir à lire. Donc non, cela on s'en fout de leur avis. Prenez un livre et allez-y à votre rythme. Et il y a Mimou qui disait dans le chat que je trouve une phrase qui dit euh, que je trouve très juste qui dit lisez ce que vous avez envie à votre rythme, une page lue et une page de moins à lire. Alors une page lue est une page de moins à lire. Je vois ce que tu veux dire mais je trouve que ce n'est pas une page de moins à lire parce qu'on a l'impression qu'on s'en débarrasse, c'est ouf, une de moins c'est non, une page lue c'est une page lue. C'est un petit voyage que tu as fait. Et si tu lis une page aujourd'hui, c'est une page aujourd'hui. Une dans trois jours, c'est dans trois jours. Tu t'en fous, tu voyages à ton rythme et c'est tout je, je valide et j'applaudis Moi, <laughs> je vous applaudis aussi parce que je voulais pas applaudir pendant que tu parlais et donc du coup <laughs> euh, voilà mais donc oui c'est jamais trop tard mm -mm. Okay. conseil que tu donnes à la toute première personne puisque tu dis euh, et je trouve que c'est un truc qui peut-être freine les gens à la lecture puisque tu dis que au collège lycée tu avais du mal parce que tu avais les lectures imposées etc et avec toutes ces lectures imposées généralement les gens ils disent comme tu le disais, ouais, soit je suis pas assez intelligent, soit je comprends rien, donc ça ne m'intéresse pas. Et donc du coup, tu te bloques, on se braque et en avant. Et il y a des gens qui veulent y revenir, comme des gens pourraient vouloir revenir au ciné ou à écouter de la musique, sauf que se remettre au ciné, c'est beaucoup plus facile parce que tu lances le film et tu t'assois. Le livre, il y a quelque chose de plus compliqué dans le sens où il faut attraper et il y a un côté effort du livre. Et donc, je comprends qu'il y ait des gens... Moi, quand j'attrape un livre et que j'ouvre, je sais que c'est un moment où je vais avoir le cerveau qui va partir, que ça va être un, un instant que pour moi, où tu es coupé de tout le reste. Tu ne peux pas être sur ton téléphone en même temps, tu ne peux pas faire autre chose. Donc, pour moi, c'est un très bon moment, mais je comprends qu'il y a des gens qui trouvent ça difficile de faire ce premier pas vers le ⁇ je me coupe ⁇ Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur dire eh, ⁇ hé les gars, allez-y ⁇ alors déjà, je, je répète, mais vraiment ne pas avoir peur de reposer un livre si on sent qu'on n'accroche pas et que juste ça, ça titille mm -hmm. pas. C'est ok, ça arrive et il faut pas se forcer. Euh, un mais peut-être vraiment si, euh... pardon. Ou tu dis, as un nombre de pages où tu te dis genre ok, j'en ai assez lu pour savoir que j'irai pas plus loin. Non non, c'est vraiment une question de feeling. Hein, ça peut arriver au bout de deux pages. Hein. Enfin, vraiment, euh, je, je suis en mode décomplexion euh, totale. À <laughs> moi si, de euh, page, à deux pages, je complexe un peu. Euh... Je me mets trois chapitres. Ah ouais, non. Non, sinon non moi, je dis genre, parce que... Jamais. Oui. <laughs> mais en fait, le... moi, je pense que ça vient aussi du problème que j'ai une très grosse bibliothèque. Donc, au bout d'un moment, si sur... le moment T, le livre, il ne me a pas, bon, ben, c'est pas grave. C'est comme ça. À moins que vraiment ce soit pour le club de lecture. Et du coup, bon, ben, j'essaye je, je, vraiment de, 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 de pousser un peu le truc. Et effectivement, parfois, on a de très bonnes surprises. Il hein. ne faut, faut pas hésiter aussi parfois à pousser un petit peu le truc. Mais voilà, juste... Euh... Avoir ce truc de, on a le droit de, de laisser un bouquin de côté, d'y revenir plus tard, on a le droit d'être arrivé à la mo moitié du bouquin et se dire, OK, là maintenant, ça me saoule, je vais en prendre un autre, c'est OK aussi. Euh, mais peut-être pour débuter, pour, peut-être que c'est aussi une question de concentration et de réapprendre à se concentrer aussi en partie, euh, même si je pense pas que ça fait tout, hein, mais peut-être tout simplement se mettre des petits timers. Pas forcément des trucs mmh. exorbitants, mais pour commencer, je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. En fait, c'est tout bête, mais moi je le vois. Je fais des sessions de read with me en fait sur, sur ma chaîne parfois, et euh, c'est vrai que du coup on fonctionne sur la euh, technique Pomodoro, et c'est-à-dire que pendant 25 minutes on fait de la lecture, chacun de notre côté, on avance dans nos lectures ouais. respectives, et après 5 minutes de pause, on papote et hop. Donc parti, chacun lit dans ça, sa tête. Euh, voilà, on est là, on prend notre bouquin et on lit notre lecture okay. à nous. Euh, donc en fait, ce, ce petit truc de timer, mine de rien, euh, ça fonctionne euh, diablement bien. Parce que du coup, on sait que... Alors là, c'est aussi particulier avec le With With me parce qu'on est tous et toutes dans le même bateau. Donc on sait que, euh, voilà, euh, en plus, si on fait autre chose, on va nous voir. Enfin, moi, on va me voir. Donc, je, je suis obligée de dire <laughs> Voilà. Euh, mais, mais ça peut être des, des petits trucs très personnels. Ça peut être, par exemple, pour débuter, vraiment, ça peut être 10-15 minutes. Allez, hop. Maintenant, je mets un timer 10-15 minutes. Je lis à mon rythme, euh, comme j'y arrive, etc. Il n'y a pas de souci et tout simplement se faire ses propres petites challenges à soi de manière progressive pour effectivement peut-être rééduquer la concentration et l'attention parce que je pense que c'est peut-être euh, c'est pas évident parce que bon, après j'ai pas fait une thèse là-dessus, j'ai pas fait de recherche non plus donc peut-être que je pars un peu loin dans mes propos mais c'est vrai qu'on est quand même très souvent sur le, sur le On téléphone, tu vois. Voilà, on s'accroche. On est beaucoup sur le téléphone et on est quand même poussé de plus en plus à, à consommer des choses qui vont très très vite. Et je pense qu'à force euh, d'enchaîner toute cette euh, surinformation de tout et de n'importe quoi et pas... De choses qui sont pas forcément non plus toujours hyper euh, euh, nutritives en termes d'informations, euh, on n'arrive plus vraiment à se dire Ok, là maintenant, je, je mets le cerveau sur pause pour me concentrer ouais. sur quelque chose euh, qui prend du temps, où je dois concentrer euh, mon esprit, mes yeux, tout mon corps pour lire. Donc, euh, peut-être que ça, ça peut être une première technique. Et encore une fois, passer par de l'illustrer, ça peut être aussi une très bonne technique mm -hmm. parce qu'il euh, y a, y a l'illustration qui capte l'attention euh, et je pense que c'est aussi une bonne porte d'entrée en vrai euh, pour lire. Oh là, je, je suis si assez as d'accord sur vraiment... ton timer de. Ouais, nickel. Je suis ouais. assez d'accord sur ton, sur ton timer de. Mettez-vous 15 minutes parce qu'il faut pas se dire genre oh, j'ai lu 10 heures. Si vous lisez 10 heures, tant mieux. Si vous avez kiffé de lire 10 heures, tant mieux. Mais il n'y a pas de complexe à lire 15 minutes. Et donc, du coup, mettez-vous 15 minutes, lisez 15 minutes et euh, avec un qui sait, au bout de 15 minutes, vous aurez peut-être envie de vous dire encore une petite page et bah, mettez-vous une petite page de plus et les 15 minutes, vous les oubliez. Mais euh, voilà, juste faites-vous plaisir, petit morceau par petit morceau. Et Cinder, pour revenir à ce que tu disais, attention quand même à ne pas complexer les gens qui lisent très vite. Absolument pas, Cinder. Si jamais tu es un lecteur ou une lectrice qui avale des dizaines de livres par semaine, mais euh, tant mieux, déjà parce que c'est trop beau d'avoir le temps de pouvoir lire des dizaines de bouquins ou de pouvoir lire assez vite pour pouvoir en lire autant. Ma plus grande frustration, c'est de voir ma, ma pile à lire qui augmente plus que ce qu'elle ne se réduit et qui me juge en permanence depuis le coin de mon appart. Mais il n'y a absolument aucune culpabilité à lire trop vite. En revanche, si vous êtes un lecteur qui lit énormément, un lecteur extrêmement prolixe, ne culpabilisez pas ceux qui lisent peu, parce que bah, chacun son rythme, c'est tout c'est ça ouais. et du coup je pense que cette émission le but ça va être ça de vous offrir un maximum de livres un maximum de propositions pour que ceux qui n'ont pas lu depuis longtemps puissent se dire ah oh, tiens peut-être que dans ces titres il y a celui-là ou celui-là qui me font envie et j'ai envie d'essayer et j'ai envie d'y aller. Pour des lecteurs qui disent énormément, te dire ah oh, celui-là, j'étais passé à côté et du coup, j'irai bien. Et donc, on va essayer de remplir votre hot de Noël avec un maximum de lectures de qualité, lues et approuvées. Et on va essayer de vous faire un petit peu euh, voyager. Voilà. Mais avant de passer à ta pile à lire, on va continuer à parler un petit peu de toi. Qu'est-ce qui te fait te dire genre, tiens, j'ai pris plaisir à la lecture. Je relis maintenant que je suis en master et que j'ai repris goût à la lecture pour moi-même personnellement. Qu'est-ce qui te fait te dire Maintenant, j'ai envie de le partager parce que tu passes de je ne lis pas du tout, je recommence à lire, boum, je partage. Et aujourd'hui, tu le fais régulièrement. Enfin, c'est ton contenu, l'un de tes contenus principaux avec des read with me. Donc, on est passé de pas de lecture à euh, j'en fais mon taf, quoi. Oui, effectivement. Je... La réponse est un peu floue parce que je suis pas sûre de savoir comment j'ai débarqué là. Euh... Alors, pour la petite histoire, en fait, euh, M2, fait, euh, je suis allée dans le tout ce qui était audiovisuel cinéma mmh. et euh, j'avais un maître de stage parce que j'ai travaillé en... dans une télé locale et euh, mon maître de stage était euh, aussi en plus illustrateur et euh, du coup, mmh. il c'est un passionné de bouquins. C'est un passionné de bouquins et euh, c'est via lui que j'ai euh, vraiment... Plongé, mais énormément parce qu'en fait, il me prêtait des bandes dessinées tout le temps, mais genre des, des. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'arrêtais pas de lire ben pendant un mois, deux mois. Bah ouais, donc du coup, je rentrais du taf, je lisais, je lisais, c'était hyper cool. Et, euh, et en fait, juste à un moment, je me suis dit, mais je suis en train de lire mes trois milliards de choses et, et j'en fais rien. Et donc, je me suis juste dit, ben, bah, pourquoi je tournerais pas une vidéo euh, J'étais quand même relativement étrangère à ce milieu-là et même à l'époque, pour être tout à fait honnête, au vu de mon parcours, je pensais pas arriver sur YouTube avec du contenu littéraire. J'en étais tellement loin que c'est pas quelque chose que j'imaginais. Mmh. Euh, moi, j'étais plus en mode, ok, euh, je ferai des web-séries, tout ça, tout ça, euh, pas du tout. <laughs> Et, euh, mais c'est juste que c'est venu du fait que, ben, je me suis dit, c'est dommage de ne pas pouvoir partager ça parce qu'il y avait quand même des, euh, des, des chouettes euh, découvertes. Après, je connaissais. Euh, Quelques personnes qui parlaient de bouquins sur euh, YouTube. à l'époque, il euh, y avait, il euh, bah, y avait toujours d'ailleurs, il euh, y avait Margot Liseuse, il euh, y avait euh, Bulldop, évidemment, il euh, y avait buh, buh, Michette, il euh, y avait euh, Lily bouquin Nine, enfin voilà, il y avait euh, bah, ces tubeuses là même si au tout début, moi, il y avait vraiment que Margot que je connaissais. Et encore une fois, j'étais très éloignée de tout ça parce que je n'étais pas... Je J'estimais que j'étais pas une lectrice. J'ai eu aussi un complexe pendant assez longtemps de euh, est-ce que je suis vraiment légitime à pouvoir parler de bouquins. Ben, du coup c'est intéressant que tu, tu m'aies posé cette question. Est-ce que je suis légitime à parler de bouquins alors que euh, j'ai pas le même passif que euh, beaucoup de grosses euh, lectrices, grands, grands lecteurs. Euh, est-ce que voilà j'ai vraiment euh, ma place pour parler de tout ça. Sauf qu'en réalité voilà. Euh, j'ai fait ça un peu sur un coup de tête. Je me suis juste dit j'ai aimé quelque chose, j'ai envie d'en parler, je le fais. Pardon le micro, euh, du mieux que je peux. Et puis euh, et puis c'est tout en fait. Je, je me suis vraiment limité à ça. Et je crois qu'en fait à partir du moment où on parle avec ses émotions et son cœur, ça fonctionne quand même mmh. relativement bien. Euh, enfin, quand je dis fonctionne, ça, pas, pas en termes d'audience. Hein, je parle, ça, ça fonctionne pour créer quelque chose, euh, voilà, qui nous est propre et qui nous correspond en partie. Et, euh, et puis c'est tout. Voilà, en fait, c'est. Euh, c'est tu... euh, pas incroyable au <laughs> <le> début. <laughs> Il y a Titouan qui dit build-up la stream au GTA RP. Oui, ah, oui entre totalement. Autres, tout, à fait, tout à fait, complètement. <laughs> Grand journaliste dans l'âme dans le GTA. Ouais. Tout à fait. Ah, oui. Est-ce que tu te rappelles de la toute première vidéo que tu publies euh, Alors, exactement laquelle, je ne sais pas, mais je suis quasiment sûre que euh, les premières vidéos, je, je, je parlais de, de format illustré, justement, ce qui ne se faisait pas des masses à l'époque. Euh, mais oui, je crois, je crois que j'avais fait une sélection de trois bouquins. Euh, il me semble que c'était des bandes dessinées. Je crois, Peut-être qu'il y avait un comics dans l'eau, je ne sais plus, mais euh, ça devait être ça, je pense. Et quand tu cliques sur publier, il se passe quoi dans ta tête J'espère qu'on ne me trouvera pas. <laughs> je l'ai fait, mais j'espère que personne ne le verra. Oui, alors en fait, pendant très longtemps, je, je stressais qu'on qu voit mes vidéos et qu'on me retrouve... Ah, bon après, non, mais vraiment, je, je raconte vraiment ma vie. Je crois que j'étais un peu harcelée ouais. en M2. Je ne rentrerai okay. pas forcément dans le détail, euh, mais du coup en fait j'avais un stress euh, très très fort, juste qu'on tombe sur mes vidéos, c'est très paradoxal parce que publier une vidéo en soi c'est pour être vu, mais en même temps j'avais ouais. cette dualité de j'ai pas envie qu'on me voit, j'ai pas envie qu'on qu tombe sur euh, mon contenu, et euh, à tel point que j'en parlais juste pas du tout pendant des années, j'en ai pas parlé, et... Euh, et euh, et en fait, même quand il y avait des, euh, des pics comme ça d'abonnés euh, sur, sur ma chaîne, je stressais qu'en fait euh, on ait trouvé ma chaîne et qu'on les fasse tourner et tout. Ce qui n'avait pas de sens parce que j'avais que des bons retours, mais j'avais ce stress-là. Mais tu avais ce stress-là stress de que les mauvaises personnes tombent sur ta chaîne. Ouais, pas voilà. Que ton travail soit vu. Oui. Mais à ce moment-là, tout est un peu entremêlé, donc c'est pas forcément euh, très ouais. évident de, de faire la part des choses. Mais, euh, mais oui, donc ça, on va dire que c'est surtout ça, mon, mon feeling au début. Pas, Et malgré pas ça, tu continues Oui, malgré ça, je continue parce que, euh, en fait, je, 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 je me rends compte que j'aime bien parler de bouquins. Contre toute attente, et plus j'en parle, plus j'ai envie de lire. Donc euh, plus je lis, plus j'ai des choses à dire. Et tout simplement, ça s'est goupillé de cette manière-là. Puis après, ça devient aussi un exercice euh, dans lequel euh, je me suis sentie relativement à l'aise, parce qu'à la base, euh, déjà, cette chaîne YouTube, je savais même pas qu'elle aurait euh, une existence, et je pensais que je parlerais de bien plus de choses. Comme je te le disais, j'étais quand même passionnée de pas mal d'autres trucs. Et euh, ben forcément, au vu de mon parcours, je pensais que j'allais parler de, de films, de séries, de de choses beaucoup plus larges et en fait j'ai parlé que de bouquins parce que une fois que j'étais lancé dedans et que j'avais mon, mon rythme et que, que, que je, je trouvais du plaisir à, à essayer de, de, de décortiquer pourquoi j'avais aimé telle ou telle chose euh, ben c'était ouais c'était c'était une évidence en fait et c'est pour ça qu'après je me suis senti euh... ouais mais je me suis aussi senti après obligé d'aller sur twitch parce que là j'avais plus de flexibilité et je pouvais sortir oui. de mon contenu 100% euh, littéraire, quoi. Voilà. Est-ce que maintenant tu te sens légitime à parler de livres Ah oui, beaucoup plus qu'à l'époque, beaucoup plus qu'à l'époque. Mais je pense que c'est tout simplement parce que euh, je je continue à, à rester sur cette idée de euh, juste démocratiser l'activité qu'est la lecture et décomplexer les gens. Et je pense qu'à partir de ce moment-là. Je n'ai pas le droit de me sentir moi complexée vis-à-vis -vis de la lecture parce que sinon mon, mon propos n'aurait absolument aucun sens et et je sais pas je je, je continue juste à essayer d'être la la plus bienveillante possible vis-à-vis euh, -vis de la lecture et vis-à-vis -vis de moi-même parce que je le suis beaucoup avec les autres donc c est, c est, en fait c'est un truc un petit peu vertueux je peux pas euh, être bienveillante avec les autres si je le suis pas un minimum avec moi-même donc euh, donc voilà après j'ai cette voilà, j'ai cette conscience que j'ai pas tout lu. Il y a plein de choses euh, qui sont certainement des lacunes oh, dans pas ma tout culture lu. littéraire. Oui, voilà, <laughs> c'est terrible. Doug, on arrête, c'est fini, ça, ça s'arrête là. Voilà. Parti. Bonne soirée à tous. Je suis désolé, on nous a menti. Je, je sais pas, excusez auprès de vous quoi. Au revoir. Il <laughs> y a Dupuy qui vient de m'appeler en disant qu'on était obligé de finir. Alors allons-y. Allez, salut. <laughs> Mais euh... Mais oui, mais après, enfin, tu, tu, tu vois, je, je suis quand même consciente qu'il y a, bah, comme on le disait avant, il y a, il y a pas mal d'autres personnes qui lisent beaucoup plus que moi, donc euh, forcément, je, je pourrais me dire, bah vu qu'il y en a qui lisent beaucoup plus que moi, je suis pas légitime. Mais en même temps, non, parce qu'on en revient toujours au même. C'est ce que je dis, c'est que peut-être que je lis moins que certains autres, euh, certaines autres créateurs, créatrices de contenu, mais en même temps. Euh... Quand je lis, je lis avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion et euh, je suis toujours ouverte à être touchée émotionnellement parce que je lis euh, à être je, je suis impliquée dans ce que je fais, dans ce que dans, dans ce que je lis. Donc pour moi, c'est ça qui compte au final, ce que ça m'a apporté, qui rend si ça m'a permis de grandir. Du coup euh, moi parce je là, pense là, que c'est ce en train d'expliquer, je trouve que c'est assez juste. Moi je crois que tout le monde est légitime. Tout le monde a un avis, tout le monde est légitime à avoir un avis, à avoir euh, tout simplement un ressenti. On lit quelque chose, on regarde quelque chose, on est Enfin, on est en droit d'avoir tout simplement rien que euh, aimer ou pas aimer, ne serait-ce que ça, on est, enfin, on a déjà le droit de de se, de se positionner vis-à-vis -vis de ça. Mm -hmm. Et après, tout simplement, euh, encore une fois, j'estime. Même moi, je ne suis pas critique littéraire, euh, donc euh, je vais peut-être pas voir, euh, comment dire, je vais peut-être pas essayer de décortiquer euh, la manière dont ça a été écrit tout le temps, ou euh, euh, essayer de pousser vraiment les, les mots, les phrases, etc. Mais par contre, euh, je suis humaine avec une sensibilité, et moi, c'est ça, par contre, qui est hyper important pour moi, c'est de parler de mes émotions, ce que ça a suscité en moi, euh, les thématiques qui ont été abordées, est-ce qu'elles m'ont touché ou pas, comment ça a été amené. Enfin, il y a quand même des choses après, au fur et à mesure. Forcément, euh, on a quand même un, un esprit critique qui s'aiguise de plus en plus et on mmh. arrive quand même à voir des choses qui se répètent, qui se répètent ou non. Euh, et tout simplement, ça, ça forge aussi après au fur et à mesure son... Oui, à te dire, bah, j'ai été touché, pas touché pas à chaque quoi. fois par ce truc-là et remarqué qu'il y a un pattern ouais. qui fonctionne sur toi. Et donc, du coup, oui, voir la technique qu'il y a derrière au fur et à mesure. Ouais. Ça peut arriver, mais après, voilà, moi, c'est aussi pour ça, que tu vois, par exemple, dans le club de lecture, je donne la parole aux lecteurs du club, aux lecteurs-lectrices, euh, en leur disant, tranquille, euh, vous parlez de vos émotions, ce que vous avez aimé ou non, mais euh, pas de pression, on n'est pas là, on n'est pas à l'école, on n'essaye pas de décortiquer euh, les choses dans le moindre détail, on parle d'émotions. Enfin, moi, je trouve ça hyper important, mais. Mais ouais, c'est ma vision des choses, quoi. <laughs> Pas besoin de le genre l'impression que tu t'excuses à la fin du truc, alors que non, oui, c'est une, une lecture, c'est juste de l'émotion. Il n'y a rien de plus légitime que de mmh. dire J'ai lu ce bouquin et j'ai ressenti ça, et j'ai vu ce film et j'ai ressenti ça. Et euh, je crois que c'est Oscar Wilde dans la préface de Dorian Gray qui est beaucoup mieux dit que ce que je dis c'est que quoi qu'il arrive, ce livre, soit il va te rendre dingue, soit il va te rendre très heureux, soit il va te rendre très triste, et que, que tu le détestes ou que tu l'adores, lui, il est juste content parce que le but, c'est qu'il te donne des émotions. Le seul truc qu'il le c'est que tu le tu reposes en faisant. Euh... Allez, suivant. Donc, oui, ouais. la lecture, c'est juste de l'émotion et c'est tout. Et bonsoir, à Saturne. Bonsoir, Jéronimo. Bonsoir à tous. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. J'ai vu qu'il y avait quelques follow qui tombaient pendant qu'on discutait. Bienvenue à vous tous. J'espère que vous passerez une très bonne soirée avec nous. On est avec Guy et on parle. Bouquins. là on était sur son parcours et on va pas tarder à plonger dans sa hotte pour aller découvrir tout ce qu'elle a envie d'avoir sous son sapin, enfin elle les a déjà puisqu'elle les a lues, mais de tout ce que vous vous aurez envie d'avoir sous votre sapin à Noël d'ailleurs est-ce que tu pourrais peut-être nous sortir la première BD de ta hotte que tu aurais à conseiller aux gens Alors, euh, alors j'ai vraiment beaucoup de bouquins et j'ai essayé de classer en fonction de la jeunesse adulte parce que il euh, y a aussi des des pépites en jeunesse et euh, je peux faire une parenthèse sur la littérature jeunesse. Mais vas-y, on a eu une discussion sur la littérature jeunesse il y a littéralement trois semaines et c'était trop ah, cool okay. de comment écrire pour les enfants sans les prendre pour des gros teubés. Bah ben voilà, en fait moi la seule chose que je voulais mettre euh, entre parenthèses c'est que euh, il faut encore une fois rester curieux et euh, parfois il y a des vraies pépites dans la littérature jeunesse et euh, même si on est des adultes, on peut tout à fait y trouver son compte et surtout euh, faut pas oublier que la littérature jeunesse ben c'est ce qui forme les enfants à être les adultes de demain. Donc euh, je pense que c'est important de ne pas mettre de côté systématiquement la littérature jeunesse parce qu'en plus de ça, euh, c'est pas pour faire cocorico, mais quand même un petit peu. On a une scène française euh, extrêmement riche et talentueuse, euh, que ce soit auteur, autrice, illustratrice, illustrateur. On a vraiment énormément de, de personnes euh, hyper talentueuses. Donc voilà, euh, petite parenthèse terminée. Je vais commencer avec euh, peut-être les adultes et euh, je ferai une deuxième reco pour la jeunesse. Mais euh, tu peux autant que tu veux, parce que, alors, pour toute discrétion avec vous, hein, full transparence. Guimauz était un peu inquiet en disant, mais euh, du coup, euh, combien j'en prépare et tout Je lui dis quelques-uns. Elle m'a envoyé la liste des quelques-uns. Mmh. Disons qu'on a de quoi en faire 10 d'émissions. Soyez tranquille, quoi. Soyez tranquille. On sent le. Je ne sais pas si je suis venu assez préparé. 33 tonnes de bouquins derrière. La liste, j'ai dû scroller sur Discord alors que j'ai un écran de PC. Voilà. Donc, enfin. Euh, ben en fait, j'ai pas eu de retour non plus, donc je savais pas si c'était ok ou pas. Ah non, non, mais non, il en fallait deux fois plus, c'est un scandale. Ah oui, non, c'est honteux. Juste pour oh. vous donner une idée de la taille de la liste. Hein. Ah putain, c'est comment <laughs> celui là bon. ouais. Je peux pas recommencer Ah ouais. Ça va donc, aller. Euh... Ça va bien se passer. Sachez que votre Père Noël va être chargé, l'équipe. <laughs> Très chargé. <laughs> Exactement. Eh <laughs> bien, j'ai envie de commencer avec une série euh, qui est plutôt jeune. Enfin, le premier tome est, euh, est sorti il y a, mmh. il y a presque dix ans maintenant. Il s'agit de Funérailles euh, de Florent Maudou. Voilà. Alors, euh, je précise que c'est vraiment là pour le coup pour un public averti adulte, hein, tout simplement parce que il y a de la nudité, de la sexualité par moment. Donc euh, voilà, je préfère quand même le, le mettre entre parenthèses. C'est un univers qui reste relativement impitoyable également. Il va y en avoir quelques-uns hein, de ce style dans ma sélection parce qu'il faut croire que j'aime quand c'est impitoyable. Hein, je, je ne sais pas, c'est possible. Euh, mais alors, Florent Maudou euh, c'est vraiment, euh, c'est il est incroyable. Il est absolument incroyable. Auteur et dessinateur, enfin, c'est lui au scénario et au dessin. C'est pour ça, c'est vraiment incroyable. À la toute base, il a fait une série qui s'appelle Freak euh, Freak's Squill, euh, mm -hmm. qui est en fait la série mère autour de laquelle il a créé des spin-offs et en l'occurrence Funérailles. Alors, très, euh, pe très petite euh, parenthèse sur Freak Squill, euh, c'est une université de super-héros. Voilà, euh, je la fais okay. très très courte, avec un ton un petit peu décalé, etc. C'est c'est très très chouette à lire. Mais moi, j'ai découvert Florent Maudot avec Funérailles. Donc j'avais vraiment pas lu la la série la, la la mère à la base. Voilà, euh, qui est en noir et blanc à la base avec certains euh, passages en couleur. Mais par contre, Funérailles, c'est tout en couleur, c'est absolument incroyable. Et alors là, on est vraiment sur de la dark fantasy euh, hyper dense, hyper riche, avec un univers hyper, hyper développé, avec des enjeux euh, politiques euh, complètement dingues. Et en l'occurrence, on retrouve les deux personnages qu'on retrouve dans la série mère, à savoir euh, Scipio et Prétorius, Prétorius qui par la suite s'appelle Funérailles d'où le titre. Euh, et on est dans un univers, mais complètement dingue, euh, où, comment dire, euh, ce sont deux jumeaux. Je pitch très très mal par contre. Hein. Je m'enflamme très très vite, mais euh, la clarté parfois va falloir m'arrêter si Je t'avoue que pas ouf. tout à l'heure, je suis allé googler l'intégralité de tous les titres que tu avais dedans. Ouais. Et celle-là, ça fait la couverture. Je sors de Requiem en bande dessinée là, la semaine dernière que j'ai fini. Ouais. Et la couverture, j'ai retrouvé un peu la même vaille en me disant genre, Ça me parle. J'ai envie d'aller euh... faire un tour dessus. Donc il se pourrait qu'elle soit déjà achetée et téléchargée sur ma tablette pour ce soir. Voilà, parce ah, que ouais. j'ai la flemme d'attendre. Je voilà. comprends. Donc, euh, c'était déjà rien qu'avec la couverture, ça avait marqué quoi. Mmh, mmh, ouais, clairement. Euh, alors, en gros, c'est un univers. Alors, j'ai envie de parler de ce détail là parce que c'est pas vraiment un spoil, mais où même dès la procréation, tout est un duel, tout est un challenge, tout... il faut se battre pour sa vie dès la procréation. Okay. C'est à dire que euh, dès, la dès, dès le moment de la gestation, etc., euh, la femme elle porte des jumeaux. Et les jumeaux, au bout du neuvième mois, s'entretuent et seulement un peut survivre. Et en fonction de l'aspect qu'aura euh, ce nouveau-né, ça déterminera dans quelle euh, strate euh, de la société il se trouvera. Okay. Voilà. S'il est défiguré, il fera partie du peuple. S'il si est euh, tout beau, tout propre, il fera partie, on va dire, entre guillemets, des nobles. Et les tout les... ça, euh, c'est... C'est un spoil sans en être un parce que je trouve que c'est en fait ne serait-ce que ce truc-là de base c'est absolument brillant ouais, et là on se doute bien génial. que voilà et là on se doute bien que les deux ont survécu à la naissance et on va les suivre de leur naissance jusqu'à l'âge adulte dans cette série-là et voir à quel point euh, les choses sont extrêmement compliquées parce qu'en plus de ça comme je le disais il y a tous les enjeux politiques euh, les euh, comment dire les, les oracles qui ont prédit de, de grandes choses à l'avenir euh, de deux jumeaux parfaits enfin voilà on découvre beaucoup, beaucoup de choses et, euh, et j'en dirai pas plus parce que j'ai quand même envie que voilà il y ait de, de la surprise dans, dans la découverte de ce titre là mais c'est absolument dingue euh, les planches sont incroyables euh, franchement florent moudou est un superbe illustrateur et en aussi fait, détaillé que la couverture ah ou la oui. ah oui clairement en fait tu as l'impression d'être face à un film c'est limites c'est limite euh, cinématographique quand tu lis euh, Funérailles, c'est complètement incroyable. Je euh, tu tu, enfin, tu m'en diras des nouvelles mais euh, c'est c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Il y a des On ambiances colorées. Ouais, ce que j'allais euh... dit, on est dans quel style d'univers Est-ce qu'on est dans plutôt du futuristique, plutôt, je sais pas. Là, il y a une vibe un peu mi-moyenâgeuse, mi-victorienne, un peu. Enfin... Ouais, c'est plutôt, c'est assez particulier, mais c'est clairement pas futuriste. Si... si, ça peut te donner une idée, parce qu'on va être quand même pas mal à certains moments en zone de guerre. Donc, euh... donc voilà, c'est, euh... c'est, c'est pas futuriste du tout. Après, tu vois, t'as des manoirs, t'as des châteaux, t'as des, as des beaux endroits dans lesquels se déroulent certaines des, certaines des scènes, parce que forcément, on va suivre. Les, euh, les nobles, entre guillemets, ceux qui ont le pouvoir, ouais. donc euh, l'élite, mm -hmm. voilà. Euh, et en même temps, à côté de ça, ben, tu vas suivre ceux qui ont aucun moyen et être dans les tréfonds des rues euh, malfamés. Enfin, tu, tu vas en avoir pour. Euh, pff, voilà. Dans, 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 tous les styles, tous les goûts, c'est absolument génial. Voilà. Funérailles. Voilà. Moi c'est ça part sur un oui enfin là la ouais. question se pose pas l'univers le pitch et... me donne encore plus envie de lire cette idée de dualité je trouve que c'est brillant comme idée de dire dès le début tu commences à te battre et euh, comment t'en sors tout est défini à la base et du coup je me doute qu'il va y avoir le truc de tout est défini mais pas tant que ça, et il faudrait peut-être remettre pas mal de choses en cause, et donc peut-être que les jumeaux ça change tout, et donc du coup j'ai terriblement envie d'aller dedans. On est sur une série finie, pas finie du tout. Alors justement, euh, c'est une série qui a presque dix ans, mais on n'est que au septième tome. Parce que vu qu'il fait tout tout seul, il met du oui. temps. Et vu qu'il a toutes les autres séries à côté qu'il a développées sur d'autres personnages, ben ça met du temps. Donc voilà, on est au septième tome. Je suis pas certaine que ce soit terminé, mais je crois qu'il fonctionne un petit peu par arc. Et de ce que j'avais lu, parce que moi, j'ai pas encore tout lu, parce que du coup, je les distille dans le temps et j'essaye oui, de les cumuler pour un jour tout relire, parce que c'est vraiment trop bon. Euh, mais il me semble que tu as un premier arc qui se termine en six tomes. Mm -hmm. Et du coup, je pense qu'il va fonctionner de cette manière-là. À voir. Voilà. Bonsoir Mim bonsoir Jeno. Euh, par contre, la série mère, Frick est une série terminée en, en okay. 7 ou 8 tomes. 7 tomes. Voilà. Oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, si jamais Funérailles, on est sur la même vibe sur euh, la série mère Non. Si les gens alors, adorent Funérailles, euh, ou pas du tout. Ben non, c'est très différent, je trouve. Euh, okay. Alors, graphiquement, c'est toujours aussi beau, il hein, n'y a pas de souci. Mais là, on est vraiment sur presque un propos très sérieux, très sombre. Euh, alors que Frick Quill... C'est quand même plus fun, c'est une université, okay. c'est des jeunes gens, enfin, c'est vraiment pas la même ambiance. C'est vraiment pas la même ambiance. C'est très chouette, mais c'est très différent. Moi, oui, choisir malgré tout, je tout, préfère toujours le Ah oui, non, mais même oui, ça. Ah, oui. oui, déjà rien que les couvertures, ça dit ouais, tout quoi. Très parlant. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux en faire une autre, ou est-ce que j'en fais une, on en fait une, on se fait un ping-pong On peut se faire un ping-pong si tu veux. On peut se faire un ping-pong oui, ben Alors, moi, il y en a une. Donc, j'ai commencé à te parler avant. Parce que, oui, spoiler, on discute avant que l'émission commence. Et alors, moi, c'en est une qui me titille, mais incroyablement. Qui s'appelle Saison de sang. Déjà, je trouve que ça marche bien pour Noël parce que c'est un beau bébé. C'est épais et c'est un gros tome et c'est unique c'est à dire que c'est commencé, fini, bisous tout est là, donc du coup il n'y a pas le côté frustrant de t'acheter les 10 autres après, parce que les gens qui à Noël t'offrent une bande dessinée qui est trop bien et qu'après tu découvres qu'il y en a 40 tomes spéciales dédicaces à ma tati qui m'a offert Torgal mais que tu te dis ça va me coûter plus cher que ce que j'ai gagné à Noël parce que j'ai encore 39 tomes à acheter derrière bah euh, aïe, voilà donc là au moins l'avantage c'est que vous avez tout cette bande dessinée, elle a la particularité d'être muette. Il n'y a pas un texte, voilà. Il n'y a pas de texte du tout. Ce sont que des planches. Donc, du coup, en soi, pour quelqu'un qui n'aime pas lire, c'est peut-être le meilleur, la meilleure porte d'entrée dans l'univers de la bande dessinée, parce que vous n'avez aucun texte, donc juste des images, et vous avez juste à suivre l'histoire de ces deux personnages, un grand robot. Et une toute petite fille, comme vous avez pu le voir dans la toute première image que Kairou qu vous a montrée, hein, une grande main avec une petite fille dedans. Et en fait, vous allez juste suivre ce robot gigantesque et cette petite fille qui se balade dans un univers absolument euh, sublime. C'est-à-dire que toutes les quatre pages, vous allez changer, vous allez être au cœur d'une forêt tropicale, genre, euh, vous allez être au milieu de la neige, Enfin, c'est en plein milieu d'un désert, il y a des doubles pages qui sont incroyables. Voilà, vous êtes en plein milieu. De la glace à vous geler. Après, vous êtes dans des cités flamboyantes comme vous le montre Kairou. Après, vous êtes dans des déserts. Après, vous êtes. Est ce que je vous retrouve une forêt Je ne vous retrouve pas de forêt. Vous allez après dans des. Voilà, si, bim. Deux pages après, vous êtes dans des forêts. Vous avez des planches où vous... ils sont quasiment tout seuls. Des planches où ils sont au milieu de la civilisation. Et en gros, ce robot et cette petite fille, ils doivent avancer. Et c'est tout. Ils doivent avancer. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils continuent à avancer coûte que coûte. Au début du roman, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ils doivent marcher. On sait juste qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de marcher. Et on les suit sur un temps plutôt long, puisque de petites filles, de quasiment enfant, ben vous allez la voir grandir et au fur et à mesure comprendre ce qui se passe entre les deux, pourquoi ils doivent avancer. Et tout vous est expliqué au fur et à mesure. Et il n'y a pas une phrase. Et je trouve que l'exercice est incroyable, comme tu le disais tout à l'heure, le dessin, bah, euh, ça marche et c'est incroyablement fort. Et là, c'est du dessin qui se passe de texte. Et moi, c'est une BD qui m'a mis une belle fessée déjà parce que bah, le style m'appelait très fortement et euh, ça m'a mis euh, scotché. Donc j'espère que tu kifferas autant que je l'ai kiffé. Ben je pense que je commencerai ce soir, tu vois, la lecture. Enfin la lecture vraiment. du coup. Euh... Enfin la visionnage. Ouais le visionnage <laughs> exactement ouais. Mais du coup c'est rigolo euh, parce que tu vois tu parles justement de, de ce duo d'un grand robot avec une petite enfant et moi dans mmh. ma sélection euh, petite parenthèse je suis pas obligée de, de m'étendre dessus mais j'avais pris j'avais sélectionné Somalie et l'esprit de la forêt et euh, alors on est vraiment j'ai l'impression dans deux styles et deux univers très 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 différents, euh, ne serait-ce que parce que déjà on n'est pas sur le même format, là, on est vraiment sur du manga, du seinen, euh, très tranche de vie là pour le coup, mais il y a aussi ce truc avec le, euh, le golem très protecteur qui essaye, mmh. sait, au début on ne sait pas trop pourquoi, de protéger cette petite fille qui euh, doit se grimer pour essayer de d'évoluer dans la vie parce que c'est euh, c'est un univers qui a l'air relativement hostile pour les êtres humains et, euh, et du coup on les suit un petit peu comme ça au fur et à mesure et euh, et puis voilà, mais après, ce n'est pas du tout le même délire. Hein, mais euh, c'est. Je l'avais mis dans ma sélection parce que c'est un manga que j'aime ai hein, beaucoup. J'ai vu quelqu'un qui a crié le nom de, de ce manga dans le chat tout à l'heure, donc vas-y, vas-y, ah, oui. envoie. Ah bon, bah, bah ouais. voilà. Mais euh, c'est vrai que c'est juste visuellement, c'est une tuerie absolue. Parce qu'il y a un travail sur les, euh, les décors, une minutie dans les dessins qui est complètement dingue. Et pour peu qu'on aime les. Euh, comment dire, les, les petites histoires tranquilles qui prennent leur temps. On n'est vraiment pas sur euh, voilà, une épopée avec une aventure hyper haletante. Euh, hein. C'est vraiment tranche de vie. faut vraiment sa... pas s'attendre à autre chose, sinon je pense qu'on pourrait être déçu. Mais si on aime ça, je pense qu'on peut y trouver son compte. Voilà. On a Nonorelli qui nous dit que le manga a été arrêté. Mais non. Faut pas me dire ça. Nonorelli, ah est-ce qu'on qu peut avoir plus de détails ou est-ce qu'on est sur une info ah. de chat ça s'est stoppé au bout de Christ combien de temps, du coup Si elle le sait tu, tu viens de. Et si je ah, pleure dommage. aussi Oh ah, merde Bon, bah, désolé, Guimose, Voilà. Bon, bah, voilà, je viens de faire une reco... Euh... Mmh. Mmh, voilà. Aïe, aïe, aïe. On quoi. sait jamais, regarde, Monter Extender a recommencé. Hein. Oui, voilà des années après c est, c est, voilà on sait jamais c'est possible qu'on qu qu puisse après euh, si t'aimes les histoires euh, de petites filles euh, qui grandissent et tout il y en a un que j'ai lu il y a euh, 15 jours que j'ai trouvé incroyablement ouais. chouette qui à la base était euh, genre, je me suis dit ouais non c'est vraiment pas pour moi euh, déjà parce qu'il était euh, catégorie shojo et euh, ça okay. prouve encore une fois que c'est complètement débile de foutre des catégories et que ça n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est freiner des gens à aller attraper euh, des bouquins. Parce uh -huh. que bah, j'ai trente balais et je suis assez bien dans mes pompes, donc me dire j'attrape un shojo. aux F, t'as 15 ans, t'es en pleine puberté, tu lis du Dragon Ball, tu dis j'attrape un shoujo, on va se foutre de ma gueule. Uh -huh. Mais euh, c'est euh, Mizuruko, Mizuruki. Je pense que mmh. la régie va pouvoir sauver mon cerveau. Euh, oui. Mimizuzu, Mizu. Ah oh, putain La régie sauvera là, là, mon cerveau. Merci, peut-être. Ouais, non, t'avais pas l'air convaincu du tout dans, dans ce que t'as dit. Mais euh, quelqu'un dans le chat vous, vous trouvera forcément. Je vais pas aller fouiller attends, dans ma piste. Tu, tu cherches quoi le, le manga. Mimizuku, Mimizuku. Edo Doflo. Merci, ah, je oui. t'aime. Voilà, merci beaucoup. Tu es parfait, Edo. Merci beaucoup. Pardon. Donc, euh, ouais, Mimizuku, où euh, c'est une petite fille, ça commence dans, dans une forêt où tu as une petite fille qui euh, qui court et elle commence avec euh, chaîne autour du cou et tout, etc. Tu sens qu'elle s'est enfuie et elle va dans une forêt qui est censée être la forêt des démons, en fait. Et elle arrive et elle trouve le roi des démons, le roi de la nuit, et elle lui dit euh, « Bouffe-moi. Voilà. »« Tue-moi, tout de suite. » Euh, J'en peux plus. Et le démon la regarde et il dit Non mais euh, c'est un truc d'humain de croire que les démons mangent les humains et qu'on est tous euh, méchants. Genre euh, c'est c'est pas comme ça que ça se passe ici. Et du coup ils commencent à discuter. Et en fait tu te rends compte que elle s'est enfuie, que c'était une esclave, que a eu une vie vraiment horrible et que donc du coup elle voulait en finir. Et en fait le propos est plutôt très chouette de Petite fille qui s'échappe et qui découvre l'humanité auprès des gens qui sont censés être les monstres absolus et le côté un peu de bah, les monstres ne sont pas toujours ce qu'on croit et les gentilles ne sont pas toujours ce qu'on croit. Et il est particulièrement cool. Et merci Edouard pour le tweet sur Somalie. Ça me donne donc, très très euh, ouais, très 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 envie de découvrir euh, Mimizuki. Voilà, c'est annoncé. C'est très très chouette. Ah, ouais. Mais je peux demander le... gentiment à ce qu'il te soit envoyé Mimizuki. Je pense que. Euh, avec plaisir, oui. oui. Je note. Très clairement. Je note pas. Si, je vais noter notre discussion. Bim. Hop là. Du coup, je suis en train de réfléchir. Euh... Parce que là, avec des héroïnes euh, fortes, j y... il y aurait aussi d'autres choses que je pourrais conseiller à la suite euh, vas -y, vas -y. de ce que tu as dit. de l'héroïne forte. Euh... En vrai, il y aurait deux titres. Enfin, que, du coup, j'ai un peu mis ensemble, euh, mais tout simplement parce que voilà, on essaye de rester aussi sur cette idée de euh, liste de Noël. Et euh, alors, il y a deux titres. Voilà, je vais les présenter. C'est *Wandering Souls* de Zelihan et euh, L'Éden des Sorcières* de Yumeiji. Euh, il y a une vibe Momonoke à gauche. J'adore. Oui, oui, non, mais totalement. Mais dans les deux, en fait, il y a des, des vibes hyper mononoke, Ghibli, etc. Enfin, c'est très, très chouette dans les deux. Euh, mais pourquoi je les présente ensemble C'est déjà parce que euh, *Wandering Souls* c'est une duologie. Donc pour mettre sous le sapin, c'est vachement bien parce que euh, en deux tomes, c'est bouclé. Euh, parce que Coco Rico Zelihan est une autrice française. C'est sa première parution en plus de ça, et euh, c'est une très grande réussite à mon sens parce qu'elle oh, a réussi. Des Indiens euh, pardon. Il euh, y a un petit des Indiens peu, une. Vibes dans, ce, dans cette idée là euh, c, c, voilà mais il n'y a pas que il y a aussi le folklore japonais enfin c'est okay. assez riche ça c'est riche en termes d'influence mais euh, on, est, on suit effectivement cette jeune fille qui s'appelle Eiten voilà et euh, qui est une jeune orpheline qui va être très vite mise de côté et euh, comment dire euh, mise à la rue entre guillemets euh, par euh, par son village parce qu'elle a des dons un petit peu particuliers c'est-à-dire qu'elle peut communiquer avec les dépouilles les cadavres d'animaux etc okay. et euh, forcément ça fait d'elle euh, une personne enfin une jeune fille euh, très étrange euh, dont on a peur dont on a peur car on ne la comprend pas en, en l'occurrence on a toujours peur de ce qu'on ne comprend pas de toute façon parce que c'est euh, pas un parenthèse. monde où la magie est répandue enfin, on... Euh, en magie. tout cas, c'est craint. C'est okay. pas normal, voilà. C'est craint. Et, euh, et en fait, cette jeune héroïne, elle doit quand même prendre énormément. Enfin, elle doit avoir beaucoup de courage pour essayer de, de changer les choses, changer sa vie. Et euh, en l'espace de deux tomes, on a vraiment un début, une fin. On arrive vraiment à suivre son, son évolution. Euh, c'est un personnage qui, malgré parfois sa peur, ne se décourage jamais et mmh. essaye vraiment de se, voilà, de, de, de combattre euh, ben, la fatalité de la vie qui, qui lui était promise au sein de cette, de cette ville. Et euh, c'est, voilà, c est, c est, je ne vais pas trop spoiler parce que c'est deux tomes, donc on va peut-être éviter d'aller oui, trop loin. Euh, voilà, mais en gros, là, je, je vous ai dit vraiment, je regarde si au niveau du résumé, ça nous en dit. Plus, mais c'est à peu près ce que j'ai pu vous expliquer. Mais euh, ça va être un parcours initiatique, évidemment, de cette jeune fille euh, et des personnages qu'elle va rencontrer. Voilà. Donc, euh, très, très, très intéressant. Et évidemment, bah, l'Éden des sorcières, qui est aussi pour moi une série très prometteuse, mais qui pour le moment euh, connaît quatre tomes et c'est pas prêt d'être terminé. Donc, c'est pour ça que je mets entre parenthèses, parce que euh, voilà, pour mettre sous le sapin, c'est pas toujours non plus. Euh, Hyper pertinent. Mais par contre, effectivement, là, il euh, faut être un petit peu patient parce que ça décolle vraiment à partir du tome 3 où on sent un petit peu tout qui se met en place, euh, la, tout, tout l'univers qui va euh, commencer un petit peu à se densifier et euh, où on voit cette héroïne qui littéralement est en train d'évoluer, d'éclore et de, de devenir euh, pff, presque badass, même si ce mot, bon, maintenant, il est un petit peu utilisateur et à travers et euh, c'est pas forcément un compliment, mais on va dire qu'elle. Euh, qu'elle fait son ascension vers elle-même et qu'elle ouais. euh, voilà, fait preuve de beaucoup de courage également, voilà, en termes d'héroïne un petit peu forte. Euh... Ah, Donc, si on fait de l'héroïne forte, putain, il ah, faudrait que j'aille chercher Ténébreuse parce que c'était beaucoup trop cool, mais... C'est une bande dessinée Ouais, Ténébreuse, que j'ai kiffé, je vais aller te la chercher après pour te montrer, mais elle est ouais. beaucoup trop cool. Ah. Mais là en sous la main, que j'ai en, en héroïne et euh, en plus d'héroïne, un peu tranche de vie, comme tu disais tout à l'heure, ouais. t'as mérel mérel c'est de Clara Lodewick, ou Lodewick, j'ai aucune idée de comment ça se prononce et j'en suis désolé, donc c'est de Clara, qui est une jeune autrice et c'est une euh, toute première euh, bande dessinée. Et alors... Faut être un petit peu de bonne humeur pour l'attaquer parce qu'au début c'est l'histoire de Merel donc qui est cette femme que vous pouvez voir et Merel elle en prend littéralement plein la gueule c'est-à-dire qu'elle vit dans un village où elle est le bouc émissaire de tout le monde où les enfants lui jettent des cailloux où les autres femmes du village lancent des rumeurs comme quoi elle se tape tout le monde au point que bah elle va se réveiller le matin en étant tondue ce genre de truc donc on n'est pas sur une vibe incroyable dans les premières pages. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur un des petits garçons du village qui, comme tous les autres enfants, se moquait d'elle et lui en mettait plein la gueule. Et sauf que bah, un jour, en fait, ils se rencontrent. C'est-à-dire que lui, c'est un petit garçon triste parce que ça va pas super bien à la maison. Elle, c'est une femme triste et du coup, ils se retrouvent juste tous les deux et ils s'apprivoisent l'un l'autre, que ce soit euh, bah, par exemple, elle va lui apprendre à s'occuper des poules, à travailler dans son jardin, etc. Et l'un l'autre ils vont s'apprivoiser et au fur et à mesure ça montre juste comment le regard d'un enfant un peu curieux peut tout changer et comment petit à petit bah le regard de tous les autres change sur elle aussi et donc du coup je vous le dis c'est pas du spoil mais ça finit très bien donc du coup c'est quand même feel good pour Noël et c'est plutôt une très jolie histoire et vu qu'en plus de ça c'est une toute première œuvre c'est début fini en un seul tome mais c'est déjà un beau bébé pas euh c'est une jolie histoire offrir à Noël aussi quoi. Super intéressant. Très bonne BD, très triste être, mais très bien. Poignant. Oui, c'est ouais. ça. Mais du coup, le côté poignant va bien avec le, ce dessin qui est presque un peu naïf, tu vois, genre euh, oui. qui est très doux et je trouve que ça souligne encore plus le propos. Et euh, vraiment, moi, c'est l'une des bandes dessinées qui m'a vraiment beaucoup parlé. Celle-là et euh, Madeleine résistante, c'est les deux qui m'ont mis une fessée, quoi. Non, je connais pas. Mais euh, tu, ouais, mais tu vois, c'est hyper, ouais, euh, hyper intéressant. C'est hyper intéressant qu'on qu parle de ce genre de BD parce que, alors, petite parenthèse encore une fois, mais tu vois, moi au premier abord, au vu des illustrations, je me serais peut-être pas retournée spontanément vers ce titre-là, mmh. tu vois. Et je trouve que c'est ça qui est aussi important de, de rappeler, c'est que parfois il ne faut pas juger toute une œuvre juste sur l'illustration, même si c'est hyper important. Mais il ne faut pas juste rester sur ça parce que il euh, y a des histoires qui parfois euh, sont cachées derrière euh, des dessins qui sont complètement dingues et il faut juste réussir à aller au-delà de ça. Il faut juste accepter ouais. le style graphique de l'artiste et euh, essayer de comprendre le propos qu'il qu a voulu dire. Il, elle, a voulu dire, évidemment. Et, euh, et du coup, c'est bien, tu vois, moi, je, je suis contente que bah, tu en aies parlé, du coup, c'est vraiment chouette. Après moi, il ouais. y a des styles graphiques où j'ai beaucoup de mal à passer par-dessus. Une bande dessinée, ouais. si jamais je trouve le dessin moche, ouais. ou pareil pour un manga, j'arriverai pas à faire abstraction. -à que je peux me dire, ok, mmh. c'est particulier, tu vois, et me dire, genre, ouais. c'est spécial, comme l'âge d'or, tu vois, où c'est quand même graphiquement, au début, tu fais genre, wow. Et donc du coup, j'ai du mal à rentrer dedans mais une fois que t'es dedans, tu y es. Mais il y en a où tu regardes et tu fais genre OK, c'est je peux pas. Le style graphique me parle vraiment pas mmh. et du coup, j'arriverai pas à rentrer dedans. C'est vraiment un truc pour mmh. moi où c'est primordial. Même si l'histoire est incroyable, si je trouve ça moche, mmh. euh, j'arriverai pas. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais bon, on va des à bonnes surprises de l'histoire ben, euh, complètement... peut te faire oublier le dessin. Alors là, spontanément, j'ai pas d'idée qui me viennent à l'esprit. Mais, euh... mais alors, c'est rigolo. Parce que, du coup, euh, par rapport. Putain, on dirait presque qu'on a préparé cette émission. <laughs> incroyable. Oh la vache. L'objet a l'air incroyable, en tout cas. Oui, alors c'est carbone et silicium. C'est de la SF Voilà. Mais alors, pourquoi je, fais... je, je, je parle de, de carbone et silicium Moi, j'adore. Alors, moi, c est, c est, je ne sais c est, c est pas où tu vas avec tu... cette transition parce que je le trouve absolument sublime. Euh... C'est sublime. Moi, personnellement, j'adore. Euh, je trouve que tout est absolument réussi, que ce soit au niveau mm -hmm. de la narration, même le, le style graphique qui a une vraiment de, de la gueule, du chien, qui a vraiment du caractère. Moi, personnellement, je suis très friande. Mais par contre, il est vrai que malgré tout, j'ai souvent vu quand même des retours par rapport à l'illustration qui ne faisaient pas. L'unanimité, et il y a des gens qui n'aimaient pas, qui n'étaient pas du tout réceptifs, euh, parce qu'effectivement, tu vois, le travail des humains, je l'ai à l'envers le bouquin, non, c'est bon, le travail des, euh, des, des, des humains, de... c'est bon. <laughs> des, euh, des <laughs> parce qu'on retrouve une planche qu'on retrouve aussi à la fin, hein, ben, ouais. <laughs> euh, et assez particulier au premiers abord quand on n'est pas forcément très flexible ou qu'on n'a pas forcément voilà juste qu'on voilà qu'on n'a pas été ah que tu as grandi avec un seul code par exemple exactement voilà tout à fait totalement et je sais que ben ça peut rebuter certains certaines pour autant alors moi je suis convaincue moi je trouve que c'est absolument ah bah babler oui babler babler quoi se pas voilà exactement il devait être là la semaine dernière ma vie s'est arrêtée il n'a pas oui, pu Non, il n'a pas pu. Oh mince bah, on lui fait un petit oui. peu honneur vu qu'on en parle quand oui, même. Tout à fait. Voilà. <laughs> cœur sur lui. Et cœur sur toi oui. aussi, parce que tu en as besoin. Merci. Oui, là, oui. <laughs> <T 'as rien. rire> ouais. Mais, euh, mais oui euh, du coup euh, carbone et silicium euh, comment vous dire euh, alors moi pour le coup tu vois j'ai pas lu les autres euh, ouvrages de, de Mathieu Bablé mais ça ne saurait tarder un jour je vais forcément me plonger dedans mais encore une fois tu vois vu que euh, je suis assez convaincue de la qualité des choses qu'il produit euh, je me dis pourquoi pas les distiller dans le temps il y a rien qui presse autant mm -hmm. venir au moment opportun tu vois euh, mais carbone et silicium euh, je me suis lancé à la base complètement euh, au hasard voilà, je j'aime relativement la SF, je me suis dit pourquoi pas et ça a été une claque ce bouquin, je n'ai pas pu le relâcher jusqu'au moment où j'ai terminé l'histoire euh, tellement j'ai trouvé ça hyper intelligent, ça aborde énormément de thématiques. Évidemment, alors, je vais peut-être pitcher le, le le truc de base, parce que sinon ça va rester un petit peu obscur. Euh, mais en gros, carbone et silicium, ce sont deux intelligences artificielles qui ont été développées par une scientifique. Et grosso modo, pour vous la faire simple, on va suivre ces deux intelligences artificielles au cours euh, de plusieurs siècles. Il me semble un peu moins de 300 ans, un petit peu dans ces eaux-là. Et euh, alors évidemment, c'est... Euh, les intelligences artificielles vont euh, sortir juste du cadre scientifique et vont avoir des corps, entre guillemets, en tout cas ça, ça va être des sortes d'androïdes, euh, mm -hmm. qui vont réussir à, par la suite, on va l'apprendre, à passer d'un corps à un autre. Euh, et du coup, on va un petit peu les suivre là tout au long de, de, de ces de ces décennies, euh, de, de, non carrément de ces siècles. Ça fait Siècle, un petit ouais. peu beaucoup, voilà, de ces siècles. Euh, Après, et il y a des décennies dans les siècles, on n'a rien vu. C'est parfait, ça passe. Euh, oui, voilà, trach. Et, euh, et c'est vrai que du coup, bah, on voit un petit peu comment la Terre elle évolue, comment les gens mmh. ont évolué, toutes les catastrophes climatiques qui ont pu euh, se dérouler, mais aussi les catastrophes humaine euh, parce qu'on se rend très vite compte que ben forcément tout ce qui se passe c'est souvent un petit peu à cause de l'humain euh, et c'est vrai que ça, ça aborde tellement mais tellement de choses euh, c'est hyper humain euh, finalement parce que ces intelligences ces intelligences artificielles euh, sont parfois même plus humaines humaines que les humains eux-mêmes enfin il y a quelque chose qui est quand même assez profond et malgré le fait que ce soit des intelligences artificielles et que du coup on puisse se dire on les a nourris de la même manière à la base. On leur a donné le même bagage euh, de connaissances. De voir qu'en fait tout les, toutes ces deux, enfin ces intelligences artificielles, donc je vais appeler carbone et silicium, ont réussi à se développer de manière mais complètement différente, complètement avec une personnalité voilà différente, euh, des objectifs, du, des vibrations différentes. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant euh, de, de de voir le rapport à l'autre, à l'environnement. À, à enfin c'est c'est extrêmement Comme deux enfants qui grandiraient dans une même fratrie, ces mêmes parents, ces mêmes ouais. nourritures à table, et pourtant ça a rien à voir. Et c'est, ou enfin, moi c'est mon meilleur pote qui me l'a offert en me disant euh, Tiens, ferme ta gueule, Ellie. » Je dis oui, monsieur. Et maintenant, il fait partie de ces bouquins que j'offre en disant Tiens, ferme ta gueule, Ellie. » Aussi, en mode genre, vraiment, fais-moi confiance. Vas-y, essaye. Euh, Vas-y et tu verras. Je comprends que tu puisses ne pas être emporté, mais ça vaut le coup d'essayer. C'est comme un Akira, tu vois. Ça fait partie de ces trucs où pour moi il bah, y a des incontournables qu'il faut avoir au moins essayé de lire et si vous accrochez pas c'est pas grave encore une fois il oui. n'y a aucune culpabilité mais où ça fait partie de ces livres qui m'ont mis une telle claque et où tu ressens un tel truc que tu as envie que tout le monde ait la chance de pouvoir ressentir ce même truc en disant, putain mais moi ça m'a fait okay. tellement de choses j'espère que toi aussi putain et donc du coup tu as envie de l'offrir pour que les gens ils en profitent donc oui euh, un 100%, euh, un 100 sous le sapin quoi puis en plus ouais. l'objet est beau et euh, moi je trouve ah. ça important que l'objet soit beau ouais, ouais voilà parce qu'en plus ça c'est un one moment. shot euh, tout est dedans oui. <laughs> le début, la fin, tout est dedans tout et c'est vrai que ça on y pense euh, il faut y penser hein, pour les, les cadeaux de Noël en fait les beaux livres soit les, les, les one shot hyper denses soit les, les art books c'est toujours une bonne idée à mettre sous le sapin ça fait toujours plaisir, en fait dès qu'il y a de l'illustration c'est hyper quali moi je trouve voilà ouais. ça fait du bien à l'âme, aux yeux, ça fait du bien à tout J'aime que ça ait commencé par ça fait du bien à l'âme. Oui, oui, c'est exactement ça, ça fait du bien à l'âme, ça nourrit, putain. On veut. Dans les gros trucs, tout à l'heure on parlait de... de bah, déjà là en parlant de gros tomes et de DA un petit peu euh, particulière. Ah wow. Là L'âge d'or Alors c'est très épais, c'est des beaux bébés aussi. C'est deux tomes et c'est fini. Donc, en soi, c'est con, mais pareil, euh, sous le sapin, euh, ça tue. Genre, euh, voilà. En revanche, je comprends que tout le monde ne se fasse pas emporter par le dessin. Moi-même, au début, euh, j'ai eu un petit peu du mal à rentrer dedans. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une vibe. Euh... Non, pas Cendrillon de Disney, Aurore, euh... ah, celle oui. qui se pique et qui s'endort. La belle au bois dormant. Il y a eu une, je trouve qu'il y a une vraie vibe, la belle au bois dormant, dans ce côté où tu as presque l'impression que c'est du, du, du décor en 2D de théâtre, très coloré, très médiéval. Et donc, du coup, il faut rentrer dedans. Les premières pages sont toutes dans ce ton un peu doré, dans lequel j'ai eu du mal. Et en fait, au bout d'un moment, vu que c'est une fresque qui se veut être une fresque médiévale, ben en fait vous rentrez dedans parce que ça vous plonge je sais pas, c'est à dire que si jamais vous écoutez une, des, des bardes dans un film ou des bardes dans un jeu vidéo les images qui viennent dans votre tête elles ressemblent à ça c'est presque comme voir une tapisserie en fait et donc du coup ça colle parfaitement avec ce thème là parce que vous avez l'impression de regarder une tapisserie héroïque qui, euh, qui apparaît et on est encore, bah du coup, c'est vraiment pas voulu, mais on est encore sur une pentiment style. Exactement, Mathieu. On n'est pas du tout sur. Enfin, c'est pas du tout voulu, mais on est encore sur une héroïne forte, puisqu'on a, pour faire le pitch rapidement, le roi meurt. Vive le roi, sauf que l'héritier est une héritière qui a un frère. Le frère n'est pas particulièrement content à l'idée que sa sœur monte sur le trône, fait un coup d'état. Et donc, du coup, la sœur, avec quelques chevaliers qui lui sont fidèles, part dans une grande quête. Pour venir récupérer le trône et récupérer le pouvoir. Et c'est particulièrement intelligent dans le sens où elle a le trône au début. Et donc, du coup, vous voyez toutes les intrigues de cours, tous les jeux de pouvoir, tous les gens qui essayent de tirer leur, la couverture à, à eux, alors qu'elle, littéralement, on est sur la reine qui veut faire en sorte que son peuple soit bien, c'est-à-dire qu'elle veut mettre fin à l'oppression, elle veut faire en sorte que tout le monde s'élève. Donc du coup, ça serait le souverain idéal, sauf que bah qui dit souverain idéal, elle dérange pas mal de monde et donc du coup, bah, elle se fait évincer et elle fait tout pour venir récupérer le pouvoir et à côté de ça, il y a toute une fresque sur qui a le pouvoir Comment on détermine ceux qui arrivent au sommet Est-ce que les personnes qui sont au sommet sont vraiment toujours les personnes les plus à même d'exercer le pouvoir Est-ce que quelqu'un qui veut terriblement le pouvoir, bah c'est une bonne personne à qui le donner Ou est-ce qu'il vaut mieux le donner à quelqu'un qui n'en voudrait pas Mais en même temps, s'il n'en veut pas, euh, qu'est-ce qu'il en fera une fois qu'il l'a Bref, c'est super intelligent. Le premier tome, c'est beaucoup de lore, c'est euh, beaucoup de voyages, c'est sa quête à elle. Le deuxième tome, euh, c'est la guerre voilà. Le deuxième tome, il euh, y a de l'hémoglobine et ça se tape un petit peu plus dessus parce que ça y est, à un moment donné, il faut reconquérir le pouvoir. Mais euh, vraiment, go, go. Voilà. Les deux tomes sont vraiment géniaux. Euh, moi, j'ai avalé un tome et demi euh, le soir où je les ai reçus, mais euh, d'un coup, alors que je m'étais dit genre, ça va être difficile, et en fait, vous vous laissez euh, emporter euh, de ouf. Alors, euh, je serai vous. Pour tout vous dire, moi je me l'ai suivi avec euh, la musique du Witcher derrière. Voilà. voilà. et euh, ça avec la musique du Witcher, c'est passé mais si crème, <laughs> tellement crème. Genre c'était beaucoup beaucoup trop bien. Voilà. J'ai sûr qu'il fait. Non, mais ça, ça a l'air vraiment cool. En fait, moi, je trouve Lâche ça. Or. Enfin, ça a l'air brillant. Enfin, tu vois, le simple fait de coordonner à ce point le style graphique à l'histoire même médiévale, tu vois. Enfin, ouais. je, je trouve que c'est. Tu vois, enfin, d'un point de vue extérieur, je ne l'ai pas encore lu. Hein, mais voilà, ça, ça a, ça a l'air brillant. Et euh, je sais pas, ouais, je. As, enfin, tu n'as pas cette sensation que chaque page, c'est un peu une œuvre d'art Je ne l'ai pas encore lu, hein, mais moi, ça me donne cette sensation, vu de l'extérieur. Je. Trop, trop bien. mais J'ai vraiment ce truc, tu sais, il y a des fois où j'étais là, j'avais juste la musique et j'avais juste les yeux qui se rebaladaient sur la planche, tu sais, comme tu... Bah, vraiment, je te dis, ouais. la, la, sensation, euh, la sensation tapisserie où des fois, juste t'arrêtes et tu regardes et tu dis, ah putain, c'est vrai qu'il y avait une histoire, les vous on avance. Euh, euh, Duo de euh, Cinder. Et vraiment, genre, moi, je suis rentré dedans, mais ça m'a. Ouais, ça m'a vraiment, vraiment calmé, quoi. Tellement c'était vrai voyage, quoi. Donc, n'hésitez pas à plonger dedans. Et c'est Air Libre en plus. Air Libre, personnellement, ça fait partie des, des collections qui me bercent depuis petit. C'est la collection un peu What the fuck. De... De... Enfin, non, je ne sais pas si on peut dire What the fuck, mais euh... Laboratoire des Curiosités. Ouais. Donc, dans mais Air ce Libre. Un je un peu vous des... Dirai... des sentiers. Ouais, c'est ça. Donc, Air Libre, c'est une collection que je vous recommanderais à tout le monde. Plongez dans Air Libre. Mais vous dites pas, je vais attraper tout Air Libre parce que vous aurez des trucs qui vous passionneront et des trucs qui vous laisseront complètement sur le côté, mais c'est chouette d'avoir des maisons d'édition qui se disent on a encore un véritable labo où on essaye des trucs complètement différents comme l'âge d'or et donc du coup Air Libre ça fait partie de ces trucs où vous allez trouver des pépites absolument incroyables et d'autres trucs qui vous parleront peut-être pas mais euh, vraiment moi celui-là euh, en plein dans le mille voilà okay. tu vois, si vous regardez Air Libre et que vous regardez la liste enfin vous voyez il n'y a pas un style graphique qui est le même quoi et genre euh... ah, la Schmidt aussi ah, c'est celle-là, Ténébreuse, dont je te parlais, exclusive. qui est beaucoup trop bien. Euh, où ça Attends, non, je ne l'ai pas. Ténébreuse. Ah, celle-là. Celle, -là, ah, oui, pardon. celle -là oh, que okay. la régie okay, est okay. en train de secouer. Ok. Ouais. Ça marche. Je crois que c'est votre tour, mademoiselle. Ouais. Oui, c'est mon tour, bien sûr. <laughs> euh, je ne sais pas par où... Euh, avec quoi enchaîner J'ai tellement de bouquins face à moi. Est-ce euh, que BD ou manga Parce que euh, tu as fait deux mangas avant. Est-ce que tu nous refais une BD je peux faire une idée, ouais. Euh, Est-ce que du coup, je partirais sur de la jeunesse, peut-être pour. Euh, ah oui, on n'a pas fait un de jeunesse, peu, encore, histoire ouais. Que, euh... ouais, ouais. Alors, attends, pour les petits. Un... Ouais, ouais, ouais. Euh, alors là, j'hésite parce qu'encore une fois, euh, y a Full tu nous vends du rêve, merci. Pardon Non, je disais merci à Full qui, depuis tout à l'heure, à chaque fois ah, qu'on ah, parle okay. d'une bande dessinée, met le lien vers la boutique et euh, vers la maison d'édition. Donc, euh, Full merci pour ton service. Vous je êtes un d amour, d amour, hein. oui. oui, moi aussi, je l'aime d'amour. <laughs> hein. euh, bah, écoute, je vais peut-être parler de, de la chose que j'ai lue le plus récemment. Euh, mm -hmm. Même si, du coup, je fais une petite parenthèse après sur un autre titre... Vas-y, vas-y. ...que j'ai vraiment... dont j'ai vraiment envie de parler. Euh, il s'agit de la boîte à musique euh, scénarisée par... Ah, oh, j'adore la couleur lui, Oui Alors, vraiment alors ça c'est euh, ça se dévore mais à une vitesse c'est ultra cali euh, encore une fois euh, bon voilà euh, carbone qui est au scénario voilà euh, c'est c'est voilà, on pouvait pas s'attendre à autre chose que de la qualité euh, mais c'est d'un dynamisme mais c'est vraiment, c'est haletant, ça te prend et ça ne te lâche plus jusqu'à la fin de ton tome. Euh, en plus de ça, mine de rien, c'est quand même une bande dessinée avec euh, 56 pages. Pour la jeunesse, je trouve que c'est vraiment pas plaisir. mal parce qu'en général, c'est oui. beaucoup moins. Euh, et là, prendre. du coup, on est... Ben bah voilà, on, on reste vraiment pas sur sa fin. On, on, on a le temps de découvrir les personnages, de découvrir l'univers, et en même temps ça ne traîne pas. Ça va très très vite, mais en même temps ça joue avec la fraîcheur euh, de la jeune héroïne qui, euh, voilà, comme tous les enfants, sont curieux et qui euh, du coup euh, certes va être un petit peu surprise au premiers abord quand elle va découvrir euh, l'univers étrange qui est autour d'elle. Alors j'ai pas pitché encore une fois. J'ai un problème avec les pitches. Euh, <laughs> du coup, <laughs> je euh, non mais c'est bien parce qu'on prend l'enthousiasme qu avant le donc, euh, du coup, on se dit, genre, ok, ça doit être vraiment trop chouette, et du coup, on est prêt pour le pitch. Voilà. Alors, du coup, pour son huitième anniversaire, Nola reçoit un magnifique cadeau, la boîte à musique de sa maman Anna. Quelle mélodie enchanteresse! Mais à y regarder de plus près, une petite fille gesticule à l'intérieur et appelle au secours. En suivant ses instructions, Nola rapetisse et entre dans la boîte à musique. Elle découvre alors Pandorian, un monde fabuleux, mais aussi dangereux. Et. Et en fait, euh, c'est, c'est, elle va découvrir qu'effectivement sa maman avait déjà été dans la boîte à musique. Alors moi j'ai lu que les deux premiers tomes, donc on ne sait pas encore exactement euh, tout ce qui s'y passe. Mais par contre, euh, comme je le disais, ouais. Mais j'ai raison, les coups sont incroyables. En fait, Gigi est extrêmement talentueux. Il a vraiment, en fait, bon il faut savoir qu'à la base il est animateur 2D aussi, donc il a vraiment. Euh... Okay. Euh, tu sens qu'il a vraiment une expertise sur les mouvements. Il, il, tu... Voilà, il connaît bien son taf et ça se ressent énormément vivant. parce que c'est très dynamique en fait quand tu euh, lis cette bande dessinée. En plus du découpage qui est très 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 efficace, mais euh, ouais bah, alors il y a des choses qui, qui passent à l'écran. Je sais pas si euh, moi je peux aussi montrer des, euh, des petits extras. Ah bah non, on peut peut-être pas. Eh ben, tu es en grand écran. Tac tac tac. Enfin, c'est hyper euh, chatoyant, c'est hyper. Euh... En fait, ça va beaucoup terriblement son... bien avec ton décor et ton éclairage, je trouve. Oui. C'est vrai. Mais euh, il, a, il a vraiment un trait, un dynamisme. C'est toujours très coloré. Il y a le, tu vois, dans le moindre détail, tu as toujours beaucoup de jeux de, de couleurs, de petits détails. Enfin, c'est sublime. Enfin, moi, je, 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 suis, euh, je suis très, 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 très convaincue. Tu dis Et je euh, pense vraiment... que ce que tu montres, ça ne fait pas du tout jeunesse, je trouve. Enfin, ça ne fait pas enfant, quoi. Ouais. C'est bah, pas le truc du où coup, je me dis, genre, que... oui, c'est pour du 10-12, tu vois, non bah Ouais, ouais. Mais euh, non, normalement, c'est quand même fait pour de la jeunesse, a priori. Hein, mais euh, de toute façon, on, on suit des jeunes gens, donc forcément, hein, euh, ouais. c'est le cas. Mais c'est un monde qui, qui fourmille de petits détails, qui fourmille. On sent de folklore et on a envie toujours d'en savoir plus. Et vu que c'est extrêmement bien construit, mais ça se dévore à une vitesse, c'est une expérience à part entière. Ça pourrait être un, un film d'animation, une série d'animés, tellement c'est top. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Il faut, euh, si vous avez l'occasion, vous avez des jeunes gens dans votre entourage, ils vont mais tellement se régaler avec la boîte à musique. Allez-y les yeux fermés et même les okay. adultes. Si vous avez envie je de nourrir vos yeux. Je Pardon. crois que tu as été incroyablement okay. efficace parce que je viens de lire. Euh, je viens de trouver un cadeau pour mon fils. J'ai bien fait de venir. Voilà. Let's go. Et ben bah, du coup, voilà. je termine encore avec une reco. Après, après, je peux te laisser la, la parole si tu veux. Euh, J'ai envie de recommander également le Grimoire delphi euh, qui est une série, euh, alors qui est scénarisée par euh, Audrey Auluet. Un talent pour euh, choper qui... des couves particulièrement cool quand même. Est-ce ouais. que c'est parce que tu choisis en fonction des couvertures et c'est les couvertures qui t'appellent mmh, Bah pas vraiment. <laughs> Pas vraiment, euh, c'est juste, euh, bah c alors peut-être que les couvertures me parlent, hein, me parlent, hein, cela dit. Hein, mais euh, des fois, il y a des très belles couvertures et l'histoire, c'est pas non plus euh, la fleur des petits points, hein, ça arrive. Donc, euh, bon, là, c'est juste euh, la coïncidence. Tout est bon. <laughs> voilà. Euh, mais alors, Grimoire Delphi, c'est scénarisé par euh, Audrey Alouette, qui est une conteuse que je trouve absolument géniale, euh, illustré par Harleston, très connu aussi dans le, dans le milieu de la bande dessinée, et euh, mise en lumière, enfin mise en couleur par euh, Milly Ludwig. Voilà, en couleur, oui, pas en lumière. Oh là là, c'est difficile. <laughs> euh, et mais, le chef-hop, coup... Milly Ludwig. Alors, non, pardon, excusez-moi, <laughs> le coloriste. <laughs> Du moment que vous arrivez à suivre, c'est l'essentiel. Après, euh, vous remettrez les trucs dans l'ordre. <laughs> Scénariste Alouette, réalisateur Arleston, chef hop <laughs> Mini-Ludvin, vous avez tout. <laughs> bon film. Tout à fait. <laughs> euh, Est-ce que je peux me permettre de relire la, la, le résumé comme mais ça avant toi, de, vas de parler avec Mais toi vas-y. Mais bien sûr. Voilà. Euh, D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que les deux euh, héroïnes de, des deux livres que je suis en train de vous présenter, euh, ce sont des héroïnes qui ont perdu leur maman dans le récit. Et du coup, c'est aussi intéressant de voir comment ben, ces, ces jeunes filles, elles essayent d'avancer dans la vie en faisant aussi euh, leur deuil. Et, euh, et puis voilà, Bon, en, en tout cas, depuis la mort de leur mère, Elfie et Magda vivent chez une tante à Carriatre. Mais un jour, leur sœur aînée revient de Londres. Elle a transformé un bus anglais en librairie ambulante pour aller de village en village. Une nouvelle vie commence. Leur première étape les amène dans une île bretonne où de vieilles rancœurs secouent la population pour un mystérieux timbre perdu. Mais surtout, Elfie découvre qu'elle a hérité des talents de sorcière de sa mère et d'un grimoire qu'elle doit nourrir de ses écrits. Voilà. Euh, alors moi, je trouve que c'est très 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 intelligent au niveau du scénario, au niveau de la construction des personnages. Euh, C'est parfois même inattendu parce que... Euh, alors, j'ai pas envie de spoiler parce que là, même pour les adultes, enfin, même l'autre, pour les adultes, tout est incroyable mm -hmm. là, pour les adultes. Mais là, euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper frais, d'hyper contemporain, ne serait-ce que dans le traitement de l'image de la mère qu'on découvre au fur et à mesure, même dans le tome 2, euh, où on se rend compte qu'en fait, c'était euh, une femme euh, avant d'être autre chose et qui, qui du coup euh, s'assumait en tant que femme, qui était très libre dans ses choix, dans sa vie, dans ses amours, dans, euh, dans, 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 dans tous ses choix finalement, et que c'est finalement l'une des choses qu'elle a réussi à déléguer à, à ses enfants, c'est cette liberté et cet amour des autres. Et à côté de ça, évidemment, euh, on voit un petit peu comment Magda, alors du coup, l'héroïne principale, c'est Elfie, et on voit comment Elfie et sa sœur Magda euh, évoluent, parce qu'on ne sait pas tout de suite ce que euh, sa sœur cache, on sent qu'il y a quelque chose qui est assez étrange, mais on n'arrive pas à savoir directement ce que c'est. Et au fur et à mesure, on découvre qu'elle a un handicap euh, invisible, entre guillemets, aux premiers abords. Mm -hmm. On va voir comment c'est abordé, on va voir la psychologie de cette petite fille, euh, comment c'est amené, comment tout est articulé autour d'elle également. Enfin, bref, ça aborde plein de thématiques euh, hyper chouettes, hyper contemporaines on sent pas sur du tout sur Oui. <laughs> Mais c'est en fait, c'est encore une fois, c'est le genre de, de, de bande dessinée pleine d'humanité, pleine de cœur, pleine de, de beaux messages. Et donner ça à un enfant, mais c'est une richesse. Vous vous rendez pas compte euh, Faut vraiment pas hésiter. C'est après grandir avec des modèles comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment faire le plus beau des cadeaux parce que du coup, on, on apprend à vivre avec l'altérité, avec les autres, avec leurs différences. Et c'est primordial. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas. C'est très très chouette. Voilà. Bonne chance pour la bande dessinée ou le manga qui va passer après, quoi. Voilà, <laughs> voilà. Euh, après, moi, euh, dans ma besace, en jeunesse. Non, là, ça vend de la drogue quand même, donc c'est pas top. Euh, là, ça désigne du mammouth, c'est pas top non plus, quoique. Attention, vous êtes prêts à me faire euh, boire faire une cabriole absolument incroyable pour essayer de vous faire passer un truc pour de la jeunesse alors que ça n'en est pas un du tout Let's go. Premier move! Creepy Cat, sa jeunesse, ça passe complètement. Oui. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais en soi, si jamais vous voulez mettre une, une jeune fille ou un jeune garçon à la lecture, c'est extrêmement simple à lire. Les dessins, les dessins sont très, euh, j'ai envie de dire, instinctifs, mais euh, non, c'est pas instinctif. Très, euh, ouais, très parlant. Mm -hmm. Voilà, exactement, très parlant. Il y a une, une explicité dans les traits, dans les expressions. Putain, mais euh... reviens toutes les semaines, s'il te plaît. C'est vachement plus facile de trouver <laughs> mes mots quand c'est toi qui les dis à ma place. C'est beaucoup mieux. Donc, Creepy Cat, n'hésitez pas. Et en revanche, vous avez de l'autre côté, Genesis. Et là... Euh... Euh... Comment est-ce qu'il va ressembler Écoutez, dites-vous que vous êtes. C'est des étudiants, donc c'est pour la jeunesse, ça passe. Dites-vous que cet étudiant euh, se retrouve à l'ère préhistorique, c'est-à-dire qu'ils étudient, ils sont anthropologues, ils étudient. Non, pas anthropologues. Euh ils étudient les civilisations passées. Donc ce sont des historiens, archéologues qui étudient les. Euh, bah, du coup, les hommes des les hommes préhistoriques, etc. Et qui se retrouvent téléportés. À l'époque qu'ils étudient. Donc au tout début, ils sont extrêmement inquiets en se disant euh, on n'est pas les ontologues. Merci beaucoup, mon Édouard. C'est vachement mieux. Donc du coup, ils sont en mode faudrait peut-être qu'on évite de faire des bêtises du style se servir d'un briquet pour allumer du feu pour qu'on ait chaud ce soir. Parce que si jamais on fait ça, il y a moyen qu'on flingue l'intégralité du continuum espace-temps. Et donc du coup. On va rester bien sage et en même temps juste en profiter parce qu'on ne sait jamais on pourra peut-être rentrer et donc on va pouvoir revenir avec une richesse absolument incroyable pour nos études. Sauf que bah, au bout d'un moment il faut bien survivre il faut bien manger et donc du coup au bout d'un moment c'est c'est quoi euh, yolo. On va faire tout ce qu'on peut pour survivre, et donc du coup, vous allez les voir, rencontrer les hommes de Néandertal, rencontrer les premiers Homo sapiens, voir la guerre un petit peu entre tout ça, et à la fois c'est très juste historiquement et d'un point de vue paléontologique, et en même temps c'est juste fun et cathartique. Donc littéralement, je me dis le petit cousin qui aime bien l'histoire, qui aime les mammouths, ou la petite cousine qui aime bien les mammouths et les lances, bah ça peut coller parfait pour de la jeunesse. Okay. Tu vois, je savais pas que c'était euh, plus... enfin, destiné à la jeunesse. De... Enfin, Au premier abord, quand j'avais vu la couverture, je croyais que c'était euh, plus seigneur. Je sais pas pourquoi. Je... Bah alors, moi, jeunesse, tu vois, je me dis pas 6-8. Jeunesse, tu vois, je me dis genre euh, 15-20. Pour moi, c'est la jeunesse parce que je suis vieux maintenant. Ah, ouais. Moi, j'appelle ça de la young adulte, tu vois. Ah, young adulte. Ouais, bon, ouais. Bah, alors, young adulte. Voilà. Écoutez la professionnelle, ouais. ok et de toute façon, on a dit que les, catégories, les classifications, c'était de la merde. Lisez tout ce que vous voulez, oui, comme oui. vous voulez, quand vous le voulez. Voilà, c'était juste pour essayer de faire une transition. Du coup, je te relance la balle. À toi. Tu nous fais un manga Oups, Un manga. Wow. Je peux faire ça. <laughs> euh, alors, j'hésite. Bon, euh, je, je vais juste faire une petite parenthèse, parce que ça me tient à cœur. Full Metal Alchemist. Mm -hmm. parenthèse. Voilà. Euh, oh ben, oui. C'est le classique des classiques, oui. mais c'est indémodable. Oui. Voilà. Donc, pensez-y, sous le sapin voilà même un petit artbook. Euh, tout passe très très bien c'est une série extrêmement qualitative euh, bon il y a quelques tomes mais c'est pas non plus la plus grosse série de manga que vous aurez bon, euh, pas à One collectionner c'est pas One Piece voilà euh, donc ça petite parenthèse voilà euh, je ne vais mais pas dans le chat il y a Edward the Alchemist et Edward juste au dessus donc je pense que il y a des gens déjà <laughs> convaincus quoi voilà donc euh, oui évidemment euh, Full Metal Alchemist foncez en plus depuis voilà. le temps il doit y avoir des magnifiques rééditions un peu collector un peu koulos cool pensez-y genre voilà. ouais. là je vous présente la version euh, perfecte qui du coup pour que je vous montre euh, est beaucoup plus grande qu'une un, qu oui. version normale de manga donc euh, c'est vraiment ultra Jouissif en fait de, de voir les planches comme ça en, en beaucoup plus grand et c'est le papier est un peu glacé comme ça. Ça a l'air enfin, si épais là, je t'ai vu tourner les pages, ça a pas fait chauffer comme oui. du papier Bible, ça a l'air d'être du gros ça. papier. Ouais, ouais, vraiment, c'est euh, trop agréable, trop, trop, trop agréable. Donc euh, n'hésitez pas, voilà. Petit classique à mettre sous le sapin. Euh, et sinon, euh, j'ai découvert. Euh, alors là, je saurais pas trop dire pour quelle pour quelle tranche d'âge hein, c'est, mais c'est catégorisé dans les shonen. C'est une série en quatre tomes. Voilà. Encore une fois, on essaie de faire coups parce que c'est chouette. Euh, alors pour moi, c'est un petit peu les plaisirs régressifs parce que on va parler de euh, fantômes. Enfin de fantômes, en tout cas d'esprits qu'on va essayer d'exorciser. Mmh. Et euh, je suis assez friande de ce genre de, de thématique, d'autant plus que bon bah dans le folklore japonais en plus, euh, voilà, c'est ils sont Il très prolifiques hein, sur cette thématique-là, voilà. Et euh, je trouve que c'est une petite série diablement efficace avec une galerie de personnages hyper intéressant très attachant euh, et vraiment euh, si vous avez l'occasion n'hésitez pas à vous lancer dedans alors malgré tout ça reste je dirais peut-être de l'horreur on n'est pas sur du Junjito non plus hein, on va peut-être pas pousser euh, à ce point là mais n'empêche que les fantômes, ce qu'on appelle en tout cas dans cet univers des fantômes, sont quand même très parfois graphiques, euh, sont très présents. Donc euh, peut-être pas On forcément à mettre en toutes les mains. Voilà. voilà les petits enfants, mais par contre les jeunes euh, jeunes adultes, en tout cas les young adultes, <laughs> les, euh, <laughs> les adolescents quoi, <laughs> simplement. En euh, oh, les jeunes. En hein. oh, les jeunes, exactement. Bah, les minots, pas les minots, les jeunes. Exactement. Euh, mais du coup, en voilà, c'est. Junto je... White Paper. En, euh... en deux mots. Junji oui. Ito. Ito. Exactement. Alors là, je ne les ai pas directement sous la main. Mais alors, par contre, si vous voulez, euh, si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui adorent l'horreur et euh, qui euh, sont toujours en quête de frissons ou en tout cas de euh, découvertes de classiques, Junjito, c'est un maître de l'horreur euh, japonais. Donc, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un dans cet ordre d'idée-là, foncez. Parce qu'en plus, maintenant, enfin euh, les éditions Mangetsu rééditent pas mal de titres. Donc, c'est devenu beaucoup et plus simple. Et tu as forcément déjà vu euh... des dessins de lui. Ouais, ouais. Fin, tu ouais. vas voir des dessins de lui faire genre ah oh, putain oui il y en a partout quoi. C'est ça. Vraiment c'est c'est un grand ponte. Et du coup tu dis qu'il y a des belles rééditions qui arrivent c'est ça bah, en fait, il y en a déjà beaucoup parce que fut un temps, c'était très 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 compliqué de tomber là-dessus euh, sur sur des éditions de, de Junjito. Mais maintenant, c'est devenu euh, beaucoup plus simple. Et euh, après, vous pouvez commencer par ce que vous voulez. Vous pouvez, vous pouvez commencer par Tommy, qui est vraiment le, la, le comment dire le premier triptyque qu'il a vraiment euh, euh, écrit, achevé de bout en bout. Mais vous avez également aussi Spiral, qui est très 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 connu là pour le coup. Et euh, là, il y a vraiment des chances que vous soyez déjà tombé sur Spiral, ouais. même sans l'avoir lu, parce que c'est c'est rentré dans la pop culture enfin c'est c'est spiral quoi donc ah, euh, n'hésitez pas d'albums ça a inspiré des groupes de ouais. musique ça a inspiré plein de vidéastes ça a inspiré des films enfin euh, vraiment vous avez dedans ça. une une iconographie qui est très propre mm -hmm. à Junji mm -hmm. et vraiment vous allez dire oh putain oui. comme quand vous voyez du Giger, en fait vous regardez Alien vous vous dites ah ça me parle regardez Giger, vous dites ah oui c'est Alien parce que ça a vraiment rayonné de façon euh, de façon incroyable quoi mm -hmm. ouais clairement mais euh, voilà, du coup, euh, là, c'est quand même beaucoup plus soft. Donc, euh, si vous avez envie d'un truc un peu léger, mais assez dynamique, c'est bien. On domine À Expo à Angoulême en 2023, dit euh, DIDAC. Euh, bien joué. Oui, Merci sais. pour l'info. absolument que j'y sois. Est-ce Est que c'est de l'enthousiasme ou de la tristesse C'est les deux, parce que je sais pas si je pourrais y être, mais il faut que je trouve une solution <laughs> pour y être. On va se débrouiller on va trouver un truc, ok Ouais. Je suis une poule mouillée, je ne lis pas dehors. À ah, Jijan, moi, euh, Ito, c'est plus visuellement que ça me dérange. Il a, une, par exemple, il a une capacité à dessiner des personnages avec des trous qui moi me perturbent terriblement. Genre des visages avec plein de trous ou des et moi ça me voilà. C'est-à-dire que l'histoire ne me terrorise pas, mais ça me met d'un mal à l'aise. Mais genre. Euh, ouf. En fait, Incroyable. je pense que ça joue souvent sur ça en réalité. Hein, oui. euh, de voir, c'est vraiment du fantastique comme on pourrait se l'imaginer. C'est-à-dire que dans un contexte hyper normal, il y a le surnaturel qui pop, mais qui pop de manière tellement décalée et étrange que ça nous met forcément mal à l'aise. Parfois, c'est même pas des choses qui sont euh, visuellement atroces. Hein, c'est juste ce décalage qui, euh, qui, qui met très 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 mal à l'aise. Et en plus, il a un traitement des, des, des visages qui est très euh, des regards enfin non, des trucs, en fait, genre, ils sont ça, pas ouais. bien. Donc, on, on le sent, il y a quelque chose de très fort. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve, je trouve, dans l'attaque des titans. Enfin, moi, quand j'avais commencé l'attaque la ouais. des, des titans, Avec je les me suis dit, on wow, dirait du Junjito, tellement ouais. ils, sont... ils sont malmenés. Ce quoi. côté yeux un peu exorbités, étranges, ah ouais. visage déformé, j'en sais. Mm -hmm. Là, ce côté de, je vois que c'est oui. humain, ça a l'air humain, et pourtant... C'est ça, ça... l'inquiétant voilà, genre Exactement, ouais, ouais, ouais. Ouais, la vallée de l'étrange, on est en plein dedans et ça, ça me dégoûte comme dessin. Tu vois. Ça, c'est <laughs> du Vito et tu l'as forcément. De... voilà cela tu les as forcément déjà vu C'est son classique et ça me. Ouais, j'ai du mal. Euh, Est-ce que je vous ai dit que vous avez des tomes de bande dessinée, de manga à gagner Je ne crois pas. J'ai complètement oublié de vous le dire au début de l'émission. Euh, ouais, pardon, excusez-moi. Mais, mais oui, du coup, vous aurez le tome 1 de l'âge d'or à gagner, Creepy Cat, et vous aurez plein de pièces à aller dépenser sur Webtoon Factory pour pouvoir lire du Webtoon si vous en avez envie. Voilà, j'avais complètement oublié. On ne savait pas, monsieur. Eh ben je vous le dis, au moins, je sais que vous n'êtes pas resté juste pour gagner des tomes et que ceux qui gagneront, eh ben ils le mériteront parce qu'ils étaient là. Voilà. Au moins, on ne pourra pas m'accuser de faire ça pour le Watch Time. Parce que vous êtes encore là, toujours debout, là, comme des vrais. <laughs> Exactement, Yotiel. Est-ce que, est que tu veux faire un roman Parce qu'on on parle très rarement de romans. Et j'ai vu que tu avais plein voilà. de romans avec de belles illustrations. Donc si tu en as un oui, en roman illustré que tu veux mettre en avant, je me dis que c'est cool. Alors là où je peux faire la petite triche, parce qu'il y a des illustrations dedans, il y aurait plein de livres dont j'ai envie de parler. Peut-être que je ferai une petite parenthèse très rapide. Mais, mais alors, c'est euh, celui-ci, c'est Mémoire de la forêt. Je l'ai lu en septembre dans le cadre euh, de mon club de lecture. Du coup, j'ai embarqué beaucoup de personnes avec moi euh, dans cette lecture-là et ça a été. Oh là là. Alors là, c'est une lecture jeunesse, mais qui, encore une fois, mérite le coup et mérite qu'en tant qu'adulte, on s'y euh, attelle parce que ça a été une claque. J'ai tellement pleuré. En lisant ce bouquin, ça arrive pas tout le temps que je lise, hein. euh, que, que je pleure en lisant. Mais alors là, <laughs> euh, que, que ça... je lis pas souvent. Excusez-moi, messieurs dames, je m'en vais. Je ne jamais. Et voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais là Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on n'est pas là pour parler cinéma. Non ah, Ok. Ah, bon, bon tant pis. ah maintenant que bon. tu lis. Ouais, euh, non, désolé, ouais. <laughs> Coucou, Ariana. Euh mais oui dans, dans tous les cas mémoire de la forêt ça va parler en l'occurrence de la maladie d'alzheimer qui s'appelle la maladie de l'oubli tout euh, et c'est extrêmement poignant par la justesse avec laquelle c'est abordé. Euh, la justesse, l'humanité. Euh, tous les personnages sont absolument incroyables. Alors, je peux encore une fois vous lire très rapidement le résumé, comme ça vous allez un peu comprendre, mais vous doutez bien au mm -hmm. vu de la couverture qu'on est sur une sorte d'anthropomorphisme, parce que là, euh, ouais. les personnages, sont des animaux, euh, mais qui euh, se comportent comme des humains. Voilà, euh, Ferdinand qui, euh, qui... qui Enfin, Ferdinand Taupe, qui est la petite taupe. Et euh, je vais vous lire le résumé, parce que alors là, quand j'ai commencé à me... Perdre Dans les noms, ça va être terrible. Dans la forêt de Belle Écorce, au creux du chêne où Archibald de Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taube cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour se compiler ses mémoires afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire déposé chez le libraire il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur les traces, sur ces traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Et en fait, ça dégouline d'amour, de l'amour de son prochain. Alors évidemment, il y a les souvenirs de cette petite taupe euh, qui sont extrêmement poignants et qui parfois sont assez perturbant parce qu'on se rend compte de, que la maladie l'a vraiment atteint et qu'il a une vision des choses qui est complètement différente de la nôtre qu'il est perdu, on, on a des scènes qui sont vraiment hyper, hyper poignantes en fait je, je crois que j'ai pas d'autres mots à part poignant mais euh, je pense que ça peut parler à absolument n'importe qui et encore une fois je, je trouve que c'est des cadeaux à mettre entre les mains des enfants encore plus parce que certes ils seront peut-être pas touchés de la même manière que nous on peut l'être en tant qu'adultes, parce que nous on a le recul sur la vie euh, la vie la mort la maladie on a conscience de toutes ces choses-là donc forcément quand on va lire ce genre d'œuvre on va être hyper touché intimement parce que on, on a forcément toujours ces peurs parce que voilà les souvenirs c'est ce qui fait ce qu'on est au quotidien c'est on s'en rend pas compte mais c'est ça c'est 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 notre vie et du coup nous on se rend compte de toute la portée de ce que ça peut être de perdre la mémoire de, de perdre euh, nos fonctions parfois motrices même mais un enfant il aura peut-être pas du coup tout ce recul et, 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 et peut-être la douleur que nous on peut ressentir à certains moments et aussi la beauté euh, de, de, de tout ce qu'on peut ressentir mais par contre il aura eu cette chance de voir que ben les personnes qui souffrent de cette maladie elles ne le font pas exprès que parfois oui on peut perdre patience mais il faut apprendre aussi à prendre sur soi, à accepter l'autre tel qu'il est, à l'accompagner, à le soutenir, à le relever quand il tombe et, euh, et je veux pas me mettre à pleurer ça me fou, ça me fait quelque chose ce livre est vraiment incroyable. Il faut absolument euh, l'avoir un jour eu entre les mains parce que euh, c'est c'est d'une beauté absolument saisissante. Voilà. Tout en subtilité et en justesse. voilà, euh, voilà. Écoute, euh... difficile d'enchaîner euh, si peut-être euh, en parlant de trucs de souvenirs et euh, de le dessin me fait incroyablement penser à une série de bandes dessinées que j'ai pas lu depuis longtemps et que j'ai lu petit et euh, mmh. que j'avais mais surkiffé et qui s'appelle du vent dans les saules et c'est oh, bah, pareil oui. avec un dessin comme ça et c'est vraiment J'en avais un souvenir d'une pareil d'une bande dessinée incroyablement douce et je ne sais pas si tu peux trouver des, des images douces. Ça s'appelle Le Vent dans les Saules. Je crois que c'est Michel Plessis. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ouais, Michel Plessis. C'est d'un roman de Kenneth Graham. Oui. Et c'est ouais voilà exactement c'est ça. Donc c'est le, mm. le voilà c'est Kenneth Graham le bouquin et, euh, et je, ah non je croyais que c'était Plessis qui avait fait les illustrations pas du tout. Mais euh, après euh, euh, ça a été ah, repris Le Vent dans les Saules aussi. Hein. Ouais. Enfin, beaucoup d'illustrateurs. Parce que moi, j'ai euh, le souvenir d'un Delcourt, je crois. Euh... Je crois que c'est Delcourt, ce dont je me rappelais. Mais euh, c'était incroyable, enfin vraiment incroyable. Attends, je, ouais. crois, je vais voir si jamais j'arrive à te trouver celui que. Attends, du ça, coup, vu que tu aimes bien le vent dans les saules, je vais te choper une version oui, que j'ai dans ma bibliothèque. Celle de Delcourt. Je, je crois que je. vas -y. Voilà, celle de Delcourt, c'est vraiment euh, tome 1, les bois sauvages. Euh, voilà, c'est ça. Voilà. C'est cette version-là que j'avais et qui est pour moi un voyage absolument sublime, c'est anthropomorphique. Tous les personnages sont incroyablement attachants. Ils ont... Enfin, lisez du vent dans les saules, c'est incroyable. Ouais. Euh, bah, du coup, je crois que celle-ci, elle a été montrée. Hein. C'est la version-là que, que, que oui. j'ai en français, du coup. Euh, où effectivement, bah, c'est des illustrations un peu vintage, hein, l'ancienne, et c'est hyper régressif, du coup. C'est très très cool, mais alors par contre, là où j'ai envie de te montrer, moi c'est une version en anglais que j'ai d'un illustrateur que j'adore qui était aussi dans ma liste, euh, qui s'appelle David Peterson. Alors petite parenthèse, il a fait une série sublime, je vais pas m'étendre dessus, c'est pour pour les adultes, c'est Légende de la Garde, c'est vraiment une série de comics, on peut dire, euh, de KPDP où on suit des souris, c'est... Absolument dinguissime. Allez voir okay. le coup de crayon est dingue. Mais du coup, il a fait aussi une version pour euh, le vent dans les saules. Bon, en anglais, The Wind in the oh Windows. Mais d'une nez, ça beauté. se rapproche. Ça se rapproche tellement plus de la version que j'ai lu petit. Ouais. Est, on est, mais Monsieur Crapaud, c'est te tellement lui. Je vais essayer de te montrer des planches vite fait pour pour le plaisir de tes yeux. Hop là. Monsieur Crapaud. Ah, oh, c'est de toute beauté Ouais voilà. mais ça marche trop bien. Enfin, c'est on est on est vraiment sur plus sur le, le style de, de de ce que j'ai lu quand j'étais petit puisque tac, moi ça ressemblait à ça, tu vois. Il y a une vibe y a une vibe très british que j'aime beaucoup. Putain, ah, oui. Totalement. Totalement. Parce que voilà, le moi carrière, ça ressemblait vraiment pas. à ça, tu vois. Genre euh... Ah oui, oh, mais oui, c'est trop mignon. Ah oui, là c'est vraiment la bande dessinée tu vois mais ça je ouais, c'est hein. une bande dessinée quoi ouais, ouais. et euh, j'avais surkiffé oh. c'est tout en bande dessinée c'est pas le c'est pas le livre et c'est la bande dessinée c'est en quelques tomes et mais je les ai mais dévoré petit et euh, tu vois typiquement ça fait partie du truc où je savais pas que c'était un roman ou c'était un livre ouais. et pour moi ça a toujours été une bande dessinée et après en fait tu te dis genre que la bande dessinée c'est une façon magique de rentrer dans le la littérature des grands quand t'es petit et te dire genre, oh ouais. Tu sais genre, pareil, j'ai découvert que j'avais lu des Jules Verne, alors que je savais pas que c'était des Jules Verne. Pour moi, c'était juste des bandes dessinées trop bien que je disais quand j'étais petit. Pareil pour les Sherlock Holmes, c'est d'un coup, tu dis, sais ah, oh, mais il y a des vrais derrière. Et tu rentres dedans, mais genre, pff, tellement facilement. Donc, euh, ouais, Le Vent dans les Saules, si vous voulez des animaux, euh, t'as un monde anthropomorphique qui euh, reprend, mais un roman absolument incroyable. Vent dans les Saules, euh, foncé. Trop bien. Est-ce que tu veux nous en faire une dernière? Du coup, je fais quoi Bande dessinée, roman, euh, manga Tu veux que je présente quoi Fais-nous une dernière bande dessinée, un dernier manga Allez, euh, Mais, alors, il y a un monsieur crapaud, Kairou, sache, parce que Kairou veut dire crapaud en japonais. Et donc, du coup, dès qu'il y a un crapaud, Kairou, il est comme un fou. Oui. Crapaud, oui, c'est le millionnaire de la bande. Il est plein de sous. Il est complètement pété du casque. Il a qu'une seule passion dans la vie. C'est avoir une voiture et conduire très vite. Mais il sait pas conduire et il arrête pas de s'exploser à tous les coins de rue. Et euh, il est euh, très capricieux. Mais au final, il apprend euh, un petit peu euh, la vie. Au fur et à mesure, et il devient de plus en plus adorable avec euh, bah, son pote blaireau, les belettes et petit quanti. Et en fait, euh, sa maison devient un peu le havre de paix de tous les potes. Exactement comme moi. Tous mes potes, c'est euh, des blaireaux. À <laughs> ah, yes <laughs> Ça fait plaisir. Euh, alors, du coup, euh... je vais peut-être présenter deux bandes dessinées parce que, pareil, alors. Là, du coup, je fais une micro parenthèse. C'est minuscule. C'est juste pour rejoindre en fait l'un des titres que j'ai présenté avant, Somalie et l'esprit de la forêt. On est totalement, mais encore plus que sur l'autre titre, sur de, du tranche de vie, seinen chill au dernier degré. C'est-à-dire que là, ça sent bon euh, les plaides, ça sent bon euh, la, la douceur de vivre, ça sent bon euh, les petites infusions, les petits gâteaux. les Voilà, c'est ça. c'est ça. C'est Noël. Donc, si vous avez envie, ça c'est une très bonne idée pour les gens qui aiment les petites choses détentes et qui font du bien au cœur, comme ça, voilà. <laughs> comme ça, c'est bon. J'ai parlé de ça. Et euh, alors là, je vais parler aussi. Alors, ça fait un petit bout de temps, donc euh, peut-être je... il me faudra un résumé pour mieux le pitcher que ce que je vais faire. Mais j'ai envie de vous en parler tout de même. C'est Un gentil orque sauvage de Théo Grosjean. Alors, il est possible que vous soyez déjà tombé sur cet illustrateur parce qu'il a une page Instagram euh, où il publie pas mal de choses. Il est, il est très, 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 très productif. Il est possible que euh, ce soit l'invité voilà. de. Dans... Non, 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 le premier invité de janvier. C'est incroyable. Ok. Bah, il est connu pour sa série. Merci pour en fait la Mais de rien! C'est parfait. Euh, il, euh, sur Instagram, il est connu pour l'homme le plus flippé du monde. Euh, il a. C'est exactement ça de ça qu'on va parler dans l'émission de janvier. Mais oui. c'est magique. <laughs> on s'est pas briefé, sachez le Absolument pas. Genre quand t'as dit es au gros genre je fais, bon on va rien dire quand même, mais bon si, voilà, il oui, sera là en janvier. Si. J'ai trop hâte. Ah, et là, le thème, c'est littéralement le, le collège, le lycée et euh, le flip ouais. de retourner plus, sur il les bancs de l'école et nos angoisses. Toulin. quoi. Non, Trop mais cruel. après, si jamais tu as vraiment envie et que tu t'ennuies ce soir-là, on peut aussi gentiment demander à ce que tu sois dans le coin. Ah oh bah écoute, euh, on verra ça, il hein, y a, y a peut-être moins. Hein mmh. Mmh, voilà, allez, faisons ça. Okay. Alors du coup, Théo Grosjean, euh, vous le connaissez du coup certainement sur, 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 sur l'homme le plus flippé du monde, mais euh, et du coup d'ailleurs, entre-temps, il a été... Toute cette série-là a été éditée euh, bah, toujours chez euh, la même maison d'édition. Euh, là, je vois Shampoing, mais je crois que c'est Delco... Enfin, je, je, on s'en fiche, je, vous, vous verrez, vous chercherez. Mm -hmm. euh, mais dans tous les cas, cette histoire-là, donc c'est de la fantaisie pure et dure puisqu'on suit des orques. Je pense qu'au niveau du titre, vous en étiez douté. Vous euh, cette phrase est très dure à dire, vraiment, c'est compliqué. Euh, mais ça parle, en l'occurrence, de l'immigration. Voilà, donc c'est vraiment pas un sujet très 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 facile à aborder et en fait, il l'a réussi à brio, justement en passant par euh, le prisme de la fantaisie, comme quoi euh, il y a vraiment des choses incroyables qu'on peut euh, communiquer euh, via les littératures de l'imaginaire, essayons de ne pas l'oublier et, euh, et, et alors, bon ça fait un bout de temps que je l'ai lu, mais je sais qu'à l'époque ça m'avait foutu une claque parce que j'avais trouvé ça euh, euh, bah, très 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 poignant. Alors après, euh, ça n'a rien de tendre, hein, on s'en doute bien et, euh, et je trouve oui. que c'est pas plus mal que ça ne le soit pas parce que ben ça dépeint une, une réalité et c'est bien de se confronter à des choses qui parfois sont malheureusement violentes mais réelles et euh, alors du coup c'est sûr que c'est peut-être pas à mettre euh, dans les mains des plus jeunes je pense pas mais euh, pour autant euh, peut-être que des adolescents ça peut être très formateur et euh, très pertinent de euh, leur mettre ça entre les mains. Et euh, encore une fois, ça reste un univers de fantasy. Donc, ça peut faire passer la pilule et ça permet quand même de, euh, de pouvoir porter certains messages. Tu peux tu puis, avoir une euh, première voilà. lecture jeune et une re deuxième relecture quand tu es un peu plus armé pour euh, comprendre plus tard. Et toujours est-il que le message, il est un peu dans le fond. Donc, on n'est jamais briefé trop tôt sur ces sujets-là. Je suis complètement d'accord avec toi. Et, euh, et c'est sûr, bah, voilà, ça, ça apprend euh, à, à gérer euh, l'altérité, au vivre ensemble, à toutes ces problématiques qui entrent en jeu dans cette question de l'immigration, de l'étranger, euh, la stigmatisation aussi. Et donc, c'est vraiment euh, hyper, euh, hyper intéressant et très bien mené. Donc, euh, n'hésitez pas. Et surtout, alors là, ça, j'ai vu, euh, enfin, je croyais que ça allait sortir, mais c'est déjà sorti. Il a euh, une. Parution de, euh, du 1er décembre qui s'appelle L'œil du cyclone. Et alors là, on n'est pas du tout sur de la fantaisie, on est sur quelque chose de très terre à terre, puisqu'il va nous raconter euh, euh, une relation entre deux personnages euh, et de comment ça s'articule, etc. Il a l'air d'avoir une vraie sensibilité, euh, cet auteur, et euh, il mérite le détour. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Voilà. 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 il va me falloir un petit... mot. Juste avant que tu nous présentes le dernier petit truc, il va me falloir un mot, n'importe lequel, un mot qui te plaît, que les gens vont devoir taper dans le chat pour tenter de gagner euh, euh, un tome de l'âge d'or, le tome 1 sur 2, un tome de Creepycat et des coins à dépenser sur Webtoon Factory. Ben, le mot art. Art Oui, ART. <laughs> À Allez, c'est parti. <laughs> le mot art. Donc, du coup, la régie vous donnera le top de vous échinez pas à taper art comme des malades là tout de suite. La régie vous dira go dès qu'il faudra euh, taper euh, ART. Des arts, tell, tout à fait. Donc, euh, la régie vous dira dès que vous pourrez taper art pour tenter de gagner euh, ces trois merveilleux tomes. Et, top euh, voilà. Taupe, 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 a dit la régie, taupe, ART, dans le chat, en masse, allez-y. Et vous achevez jusqu'à ce que Guimauz ait fini de nous présenter son tome mmh. suivant. Oui. Alors, pareil, ça, c'est une lecture que j'ai effectuée il y a quand même pas mal de temps. Donc, euh, je suis désolée si mes souvenirs sont un peu flous et si je ne peux pas rentrer en profondeur dans les propos. Mais il s'agit de La fille dans l'écran, euh, qui est une bande dessinée écrite à quatre mains, euh, donc du coup, par Manon Devaux et Lou Luby. Et alors. Pourquoi déjà c'est dans, dans ma sélection C'est parce que le travail de ces deux autrices illustratrices est complètement incroyable. Elles ont vraiment réussi à faire une œuvre où chacune a sa place, où chaque page est dédiée à l'une et l'autre, tout en réussissant à certains moments à travailler ensemble et à créer une œuvre à part entière euh, qui se répond, qui se parle, et c'est vraiment extrêmement bien réussi. Là, c'est plutôt pas mal parce que, bon, euh, dans ma sélection, il y a beaucoup de littérature de, de, de l'imaginaire parce que c'est ma cam. Voilà. Mais là, on est sur, une, sur, sur quelque chose de très contemporain, euh, ancré dans le réel, puisqu'on va voir l'histoire de deux jeunes femmes qui euh, vont se rencontrer via Internet. Une d'elles, qui est euh, illustrée par Manon Desvaux, et qui, du coup, de ce côté-là, et Louloubi de ce côté-ci, très coloré Donc, on a vraiment une dichotomie. C'est très, très chouette et très... Euh, très Comment dire ça Ça apporte vraiment de la consistance. Mmh. C'est très, très bon. Euh, elles vont se, euh, se rencontrer. Alors... Encore une fois, je vais peut-être lire le résumé parce que là, ça y est, je sens que je pars beaucoup trop loin. Oui. Mais en tout cas, euh, voilà. Euh, Colline vit en France, donc Coline, c'est elle, euh, et rêve de devenir illustratrice. Ses recherches d'inspiration la conduisent à contacter Marly, une photographe installée à Montréal. Ok, j'aurais pas dû faire cet accent. De son côté, oh, Marley merci a... <laughs> non, rien. de son côté, Marly a abandonné sa passion pour la photo pour se laisser porter par une vie. Euh, très, une vie sociale trépidante, un job alimentaire, un amoureux québécois. Alors du coup euh, comment dire cette jeune femme elle euh, souffre d'anxiété donc c'est important à le préciser parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été évoqué dans, dans le résumé mais ça apporte évidemment tout un lot de, de situations qui sont vraiment très inconfortables et euh, qui peuvent arriver malheureusement à beaucoup de, de personnes à l'heure actuelle mmh. euh, et c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment l'une l'autre s'apporte énormément se porte vers le haut comment elles arrivent toutes les deux à évoluer dans leur vie pour le mieux, pour le, vraiment pour être beaucoup plus à l'aise et forcément il y a une histoire d'amour euh, et, et c'est très très chouette c'est bien aussi d'avoir des, euh, des histoires d'amour euh, LGBTQI+, voilà euh, ça coûte rien euh, et euh, juste c'est c'est important c'est important de mettre ce genre d'histoire aussi euh, comment dire euh, en avant parce que euh, je pense qu'il y en a pas suffisamment c'est en train de changer. On a de plus en plus de, de, de romans qui sont très engagés de, de, de ce côté-là. Il faut juste que ça continue, voilà, tout simplement. Euh, J'ai pas envie de dire que. Enfin, pourquoi je l'ai pas précisé dès le début Parce que euh, je pense que là, ce qui est important, c'est l'amour de manière générale, et donc c'est pas juste fait que ce soit oui, une romance entre deux femmes. C'est que es un mec hétéro femmes. que tu peux pas reconnaître l'amour entre deux femmes et que ça peut t'empêcher de lire ce bouquin. Voilà. Une histoire d'amour, c'est une histoire Mais c'est vrai que c'est exactement ça. C'est pour ça que je le précise à la fin. Parce que je pense que c'est important d'être engagé un minimum. Voilà, mais voilà, c est, c est, le propos, c'est l'amour, le soutien et euh, comment on. on comme des autres. vous identifiez une histoire mère-fille ou père-fils, même si vous n'avez pas d'enfant. Oui voilà. voilà. Une histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour. Euh, exactement. Est-ce que je pourrais peut-être vous montrer quelques planches Celle-là, elle est très réussie, où elles se parlent toutes les deux. Euh. J'aime beaucoup ce, moi, cette opposé de couleurs. Ouais, enfin, ouais, ouais, ça fonctionne côté, très, très, très bien. Ça marche bien. trop bien. Et pourtant, Elles ont vraiment alors, des personnalités très différentes. Mais Elles ont toutes hein. les deux dessiné leur partie, c'est ça Tout à fait. Pourtant, Exactement. le dessin, il se répond bien. Ah, mais c'est pour ça que je trouve cette bande dessinée brillante, en fait. Elle, elle est, mais on sent qu'il y a du cœur qui a été mis dedans et qu'il y a un vrai travail à quatre mains pour de vrai euh, sur cette bande dessinée. Et. Ça fonctionne terriblement bien, à tel point que... Alors là, j ai, j ai pas, là tout de suite, spontanément, je n'ai pas des exemples, mais ça peut être des tout petits détails. Par exemple, tu, tu vois l'enveloppe là euh, qui est en train de voler. Qui ah oui, passe elle vole au-dessus à droite. Ouais. Voilà, ouais. c'est des petits détails. Après, j'ai souvenir de, de, de planches où il y avait vraiment un, un... Des vrais... Ah bah oui, mais sur la fin, mais j'ai pas envie de vous spoiler. Non, c'est Où vraiment, pas. tout se mélange, tout se ce mélange, c'est super chouette. De, de voir comment la couleur émerge dans la vie de Colline et oh là là, c'est super joli. C'est vraiment super joli. Très, bande, très, bonne, bande, très bonne bande dessinée. Oula, c'est très difficile à dire ça fait. aussi. Voilà. <laughs> est de baiser Cette baiser. Cette voilà. baiser vraiment bien. Ça fait longtemps qu'elle me fait de l'œil. Ben, mon key il faut arrêter de te faire de l'œil. C'est le moment de demander à Noël. Go. Et euh, mon cher Doug, je pense qu'au top de Guimauze, tu peux tirer au sort le ou la gagnante. <coughs> top et c'est quoi Kitsuli Snow qui euh, remporte oh. du coup le top te... oh Guibaud, ça a l'air particulièrement content que moi. ce soit toi qui l'ai gagné ah ben voilà, félicitations à toi, Kitsu. Tu gagnes le premier tome de L'âge d'or et le premier tome de Creepycat et les coins à dépenser en masse sur Webtoon Factory. Alors, comment est-ce que ça va se passer Comment est-ce que tu peux faire pour récupérer tout ça Il faut que là de suite, tu écrives à Dupuis Direct. Donc, tu cliques sur le nom de la chaîne et tu leur envoies un message. Et tu leur dis dedans Bonjour, voici mon nom, mon prénom, mon adresse et une adresse mail, et normalement ça part dès demain matin. J'étais pas prête. Eh bah ben, écoute, régale-toi, et en plus, tu vas vraiment looter celui-là, qui euh, pour moi est une putain de pépite. Celui, euh, c'est un beau bébé, et euh, tu vas te régaler, j'espère que ça te donnera envie de lire le tome 2. En tout cas, régale-toi. Guimauve, ça va être l'heure de la fin. Est-ce que... Tu veux finir sur un mot de la fin Généralement, je pose toujours la question aux gens de pourquoi est-ce qu'il faut lire Mais je pense que tu as largement répondu en long, large à travers à cette question au tout début. Ouais. Mais donc, du coup, je te laisse un, un mot de la fin, tu, tu, ce que tu veux. Voilà, le, le micro est à toi et juste on écoute. Euh, ben, soyez curieux, curieuse, voilà. Et c'était cool. <laughs> on a bien rigolé. <laughs> oh, on a bien rigolé, hein. <laughs> c'était génial. À la semaine prochaine L'enfer. Oh la régie, est-ce qu'on a prévu une, une sortie toute pourrie avec une transition dégueulasse ah, ça Je vraiment vais devoir fait plaisir. improviser quelque chose parce que j'y ai pensé au dernier moment. D'habitude... De mais on va meubler deux secondes, parce que d'habitude, systématiquement, à la fin de, de chaque émission, on, on fait une sortie systématiquement pourrie, systématiquement débile et inattendue, inspirée par l'invité et totalement bruitée à la bouche. Et, euh, oui. et là, et là du coup, euh, on, euh, il nous faudrait un truc qui a à voir avec des livres. Et oh, est-ce qu'on peut avoir une pile de livres qui tombe ou, ou des bon, trucs à... comme ça I'm on it I'm on it. Tu, tu es en 8 ah, est... Soit en 8 alors. Je suis inuit. Je 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 sais le sais le ça, mais... Oui, tu es inuit, parfait. Euh, allez, Lili, jeunes gens. Ah, ben bah, tu coup, Guimose, en attendant, où est-ce qu'on te retrouve la prochaine fois À quelle heure et pourquoi Ok. Euh, alors, moi, on va me retrouver euh, techniquement à partir de demain. Euh, je ne sais pas encore pourquoi, parce que euh, effectivement j'ai eu une petite euh, pause un peu longue à cause du Covid, donc euh, disons que je suis un petit peu chamboulée en ce moment. Mais euh, sinon, oui, on peut me retrouver euh, sur Twitch, sur Instagram, en grande partie on va dire, et euh, YouTube de manière un peu plus euh, sporadique. Voilà. Sporadique. Spor euh, oui, sporadique. C'est quand c'est de forme ronde, c'est ça, non euh, Oui, mais c'est de manière, comment dire, ponctuelle. C'est pas quand c'est parallèle au sol, ça ah, si, si, me semble. Ou hein. c'est pas quand ça se passe à la campagne, ça ah, ah, merci Putain Waouh Je me suis <laughs> senti si seul Si seul, il faisait <laughs> si froid, tout seul, dans ma pièce, là, genre... Oh, ok, merci de l'avoir rattrapé. Voilà, mon cher Doug, yep. on va pouvoir faire un triple salto arrière et envoyer la transition magnifique et bruitée à la bouche. Elle quand va être nous Ouais, ça je me doute, ouais, je l'ai senti, je, je sens une grande perturbation dans la force. Euh, Didi, di, 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 on fait un tour du côté de chez quel copain, euh, Dougie Putain, tout le monde est en live, la vache L'intégralité <laughs> du Twitch Game est là, quoi. Euh, je, je peux pas te dire, t'as choisi Pas du tout. Ok. Euh, y a Ancre, qui est là, en train de décider, qui... Ah non, il fait du Pokémon, Ancre il fait du Pokémon, non, on peut avoir du Pokémon ah, il y a Lucie Koala. Oui. Allons voir Lucie Koala. Faisons ça. Elle est en train de dessiner en plus. Donc, vous. Jeunes gens, vous envoie du côté de chez Lucie Koala, qui était l'une de nos invitées. Donc, viendez, spécialisée dans la littérature jeunesse, également DJ. Donc, préparez-vous. Mais oui, elle est trop cool. Elle a une émission sur France Inter qui est particulière mais ouais, elle est trop bien Lucie et du coup elle est sur Twitch de temps en temps donc euh, ouais, on va aller euh, la voir arriver avec plein de douceur et tout euh, chez elle et euh, nous partons sur une transition absolument incroyable ici, prévue par le bon Dougie à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. La semaine prochaine, ce sera Envie d'ailleurs. On sera avec Trinity et on parlera d'évasion dans la bande dessinée et le manga. Donc, viens un Et sinon, nous, on se retrouve demain matin, 10h30, pour la matinale où on fait le tour de toute l'actualité du monde du jeu vidéo. Voilà. Et euh, Moultelove sur vous. Guimauz, encore merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Kaïdou tu... aussi. Et tu lances la, trans... la transition quand tu veux. Ah, je pensais que c'était Guimauz qui faisait... Euh, c'est qui la transition, qui doit ah bon lancer la transition ah oui. mais elle a pas grandi. Transition ah. C'est très très loin. Oh. Et voilà, c'était juste ça. Du coup, faut que je l'enlève maintenant. J'ai pas trouvé mieux.